Ouah, bonsoir, je suis Monsieur Pierrot. Et aujourd'hui, je n'imite pas du tout Bob Lennon. Je suis tranquillement en compagnie de Nixus ainsi que de Lagia. Et donc, aujourd'hui, on va faire une tier list Monster Hunter, comme vous l'avez très certainement deviné en voyant le titre. Et puis, je suis aussi en live chez Nixus, car notre ami Nixus est un bon ami. Salam. Nixus. Oui, salam Nixus. Salam, bonsoir. Il était en train d'hésiter pour savoir comment je m'appelais. Oui, exactement. Oui, tout à fait. J'ai entendu le Ça m'arrive de temps en temps. Est-ce que sur le stream on m'entend bien? Est-ce que vous entendez bien ceux qui sont sur le Discord? S'il vous plaît. Dans le chat. Ouais. Dans le chat. Il y a trop de monstres, les gars. Regardez-moi tout ça. La tier list pour la faire, moi j'ai mis 3 plombs. Hein. Ouais. Ah, surtout que c'est même pas tier. Ouais, c'est surtout même pas ta tier list là, donc... Ok. Est-ce que on peut commencer par le premier monstre, quand même? Ok. Alors, le premier... Ouais. Vas-y. Putain, ce curseur banane. Baisse ton son, Iron, si tu nous entends trop. Est-ce que... Alors, le Lagiacrus Abyssal de Monster Hunter Ultimate... Qui l'a affronté déjà? Moi, je l'ai affronté une fois. D'accord. Je l'ai affronté plusieurs. Une fois. Je l'ai affronté deux fois. Trop de fois. Ouais. Alors, donc, au niveau gameplay, le Lagiacrus Abyssal déjà. Alors, Giova, t'inquiète pas, j'ai fait la même sur mon tier list personnel. Il a fini direct dans le god. Alors. Le Abyssal. Moi de mon côté, le Abyssal, je l'aime énormément parce que... Sur le Coran, tu fais gaffe. Sur le Coran, tu fais gaffe. Ouais, pas de problème. Alors moi, personnellement, le Lagi Abyssal, je le mets au moins instant dans Epic. Après, God Tier, je pense pas. Parce que moi personnellement, la technique pour le buter trop facilement, ça nie complètement son combat. Même s'il y en a qui l'utilisent pas, etc., et qui veulent vraiment l'affronter legit, bah les couilles. Non, ça nie quand même tout le gameplay du combat. Et juste, bah voilà. Pour moi, très clairement, il va dans Epic et il va pas au-dessus. Alors, les gars, je vous le dis tout de suite, j'ai pas pris les mêmes noms pour que vous en fait pour les tiers. Donc, moi j'ai excellent à place d'Epic. Et puis là, j'ai le meilleur pour Gotier en fait. Donc, je pensais mettre un seul dans le meilleur. Ouais, non, mais après, moi, c'était des trucs déjà de base. Moi, sinon, après, j'aurais fait, par exemple, j'aurais enlevé le jamais combattu et j'aurais mis à la place surcoté. Là, par contre, j'en aurais mis masse. Hein. Alors, honnêtement, le Lagiacrus Abyssal, je trouve pas si ouf que ça en termes de gameplay en fait. C'est un gameplay très répétitif, même si le combat se passe en. De quoi? Tu l'as fait que deux fois. Je l'ai fait que deux fois, mais je l'ai trouvé vraiment un peu mou, quoi, en fait. Donc, personnellement, à part le mob qui est très très skillé, je le mettrais dans bon, honnêtement. Enfin, personnellement, je le mettrais dans bon, en fait. Mais peut-être très bon si on force un petit peu pour moi. Mais après, ça dépend de vous. Franchement, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Attends, moi, je vais poster vite fait sur mon Twitter, comme je t'avais envoyé le screen tout à l'heure. Ma version des choses. En vrai, la gars, c'est mon mob favori, mais c'est ta tier list et ton avis est très honorable. Je suis en train de... Attendez de voir la fin, là, ça va se battre. Hein. Ah ouais, non, mais vous voyez, il y a pas mal de monstres déjà qu'on doit faire, donc on va faire ça gentiment. Je vois, c'est cool. Alors... Surtout que j'ai même pas la vue sur le chat. Non, moi j'ai la vue dessus. Ouais, okay. Mais il y en a... Ouh, besoin de faire gaffe quand même, ça va jaser sinon... ouais, non, vous inquiétez pas. Si on parle mal de son dodo gamin. Oui. Oui, on pourra. L'instant où tu bâches sa waifu, c'est bon, il est vénère. Mais après, en fait, ce que je reproche au Lagi Abyssal, c'est que... techniquement, enfin, Lagi a creusé dans l'eau, mais il fait juste des tornades en plus, quoi, en fait. Après, il est plus gros, mais... Bah, ouais, après, quoi. Il est fou dans l'eau, quoi, dans la même arène ouais. Que... Bah, il est dans l'arène du Sadeus, ouais. Après, niveau thème, ouais. Voilà, quoi, c'est un thème qu'on avait déjà sur FU. C'est le thème de la tour, quoi.
Donc, est-ce qu'on est d'accord pour mettre le Lagia dans la zone où je l'ai mis, quoi? Bon, je l'aurais mis Jésus, mais bon, allez, sale quel bonheur, on va dire, ça passe. Sale quel bonheur, ça passe. Allez. Sale quel bonheur, c'est orange, jaune, orange. Ouais. Non, c'est mes tier list de. Ah. De trucs. D'accord, ok. Ben, dans excellent, Lagia Abyssal, du coup. Moi perso, j'ai mis excellent. Ah. Après, moi je mettrais très bon le 6 après. Espagne, après en jaune, c'est quoi? Parce que j'arrive pas à le. C'est Unstonk et Rayleigh Unstonk en fait, genre les deux. Bon. Les deux. Et en fait, c'est sur du jaune, j'arrivais pas. Ouais, si tu veux, je peux changer. Ensuite, le Clavenus Acide. This is fine. Le Glaive Acide, je l'ai jamais combattu. Je n'ai pas Iceborne, hein. J'ai juste vu des gameplays et tout. Donc pour moi, le Glaive Acide, ouais, ça va dans This is fine. Hein. Genre, This is fine parce que j'aime bien. J'ai vu, il est très cool. Je regarde le chat, je suis désolé. C'est quand j'avais des gens qui font des tier lists que je regrette de ne pas avoir fait tous les matchs, du coup, j'ai pas d'avis sur certains mobs. T'inquiète pas, Jova. Fallait jouer. Fallait jouer. Ouais. Hein. Fallait jouer. Le Glaive Acide, personnellement, je trouve moins cool que le Glaive Venus normal, mais je trouve quand même pas mal original en fait. Il a. Moi j'apprécie la manière dont il utilise sa queue comme rapière plutôt comme un gros sabre bourrin. Mm. Bah en fait il fait un peu katana quoi en fait. Par rapport au premier qui faisait vraiment grande épée, lui il fait vraiment katana en fait. Oui, je remarque ça. Enfin, du gameplay que j'ai vu, hein. Voilà, je me base sur le gameplay que je vois et que j'ai regardé, que ça soit en live ou n'importe où. Le Glaive Acide, j'ai vraiment l'impression qu'il a des coups. Il a un coup notamment qui ressemble à celui du Legiana. N'importe quoi. De la Vel'Kana, pardon. C'est-à-dire qu'il pique avec sa queue. Et je trouve ça absolument génial. Donc, personnellement, ça va dans This is Fine. Et voilà, pas plus parce que je ne connais pas entièrement le monstre. Je connais certains de ses coups. J'ai vu les trailers et tout. Bref. Voilà. Ça va. Moi, je mettrais dans Bon. Ouais, bien sûr. Bon, c'est jaune pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais, This is Fine. Attention, joue. Non, mais vous inquiétez pas. Non, mais. Non, écoutez, sachez juste, c'est une tier list, c'est normal que mes avis et les avis des personnes qui sont avec moi en VOC, ça diverge, parce qu'on a chacun nos... Bon, on arrivera au moins à se mettre d'accord un peu. On arrivera forcément à se mettre d'accord, ça ne vous inquiétez pas, c'est sûr. D'accord. Après, La Glator, les gars, alors là, par contre, je crois qu'on va pas se mettre d'accord là, tu vois. Alors, là, hop, ça, là, fait, allez, hop, c'est fait, là. Alors, qui commence? Bah toi, Pyro, vas-y. Moi en premier? Ok, bon, alors, j'ai laissé un petit peu la fierté de côté, et puis l'amour de Agniactor, et puis on va se concentrer un petit peu sur les caractéristiques de ce monstre. Déjà, c'est un Léviathan proche du Lagia Cruz qui vit dans les volcans, donc il fallait un monstre marin qui vive dans la lave, déjà. Ensuite, concernant l'originalité, j'ai quand même 2-3 petits points, un gros point négatif avec l'Agniactor, c'est ses coups de bec, que je trouve quand même un petit peu buggé en termes de hitbox. Après, pour tout le reste, pour moi, c'est fou, quoi. Le monstre qui fait durcir sa carapace, qui a été repris par le Avasiot, donc, dans World, pour moi, c'est vraiment une très très bonne idée, et puis, ben, c'est peut-être même de loin une des meilleures idées de gameplay qu'on a eu pour le moment dans les matchs, et qui a pu faire progresser donc les matchs à ce qui est actuellement, à ce qu'ils font actuellement quoi. Donc l'Agniactor c'est vraiment un monstre qui marque l'entrée d'une nouvelle ère dans les matchs. Est-ce que je peux alors mon avis sur l'Agniactor, sachez-le, pour moi il va soit dans Rayleigh Unstonk soit dans Nyxzobi, et c'est vraiment pas une blague, c'est que quel enfoiré. Attends, j'ai pas fini. Oui, vas-y. L'Agniactor, pour moi, c'est vraiment un mob qui est horrible à affronter parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, je pense que vous deux, vous avez fait MH3U sur 3DS. Oui. Batterie et 3U, ouais. Ouais, voilà. Et moi, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que moi, les premières fois où j'ai affronté l'Agniactor,
C'était pas sur Tri, malgré que je l'ai, c'était sur 3U, et c'était 3U 3DS. Et j'ai mis 40 minutes à l'affronter, et ça m'a juste saoulé. J'ai fait 3U aussi sur 3DS. Je suis allé jusqu'au rangé sur 3DS en faisant tout. Non, mais tout oui, seul, non, mais attends. Oui, pareil, en mettant pareil. 40 minutes, 50 minutes pour faire des quêtes. Non, 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 mais oui, non, mais oui, d'accord. C'est juste que moi, vraiment, j'ai eu la pire expérience possible. C'est-à-dire qu'en fait, le mob ne sortait pas de la lave et il était tout le temps H24 sur moi, même quand j'avais Karamba Chacha. Pour moi, c'est l'un des pires mobs. Après, il est stylé, je dis pas. Mais pour moi, il va pas dans This Is Fine. Il va pas au-delà. Parce que vraiment, j'ai eu la pire expérience possible avec lui. Donc, personnellement, je le mets en unstonk. Voilà, c'est-à-dire que... C'est... Alors, okay. J'imagine que Pyro l'aurait mis en Jésus. Toi, Non. J'allais le mettre en bon ou en très bon. Mais pas en excellent non plus. En excellent, personnellement, je l'aurais mis maximum dans This Is Fine. Et dans le pire des cas, je l'aurais mis en unstonk. Parce que en vrai, je le trouve assez agréable, mais dès l'instant où il durcit, évidemment, ça casse un peu les couilles, hein, on va pas se mentir. Et surtout, à l'époque, quand t'avais pas, il y avait peu d'armure avec œil de l'esprit, t'en avais plein le cul, clairement. Ouais, d'accord. Voilà, oui, non, mais voilà, il y avait que deux armures qui avaient le talent, c'était la Nectar Glacial et la Rata Lazur. Donc c'est vrai que c'était pas spécialement ouf. Mais bon, après, ça va, c'est pas un mob que je déteste, vraiment. D'accord. Donc tu le mettrais où? Je suis plutôt d'accord avec ton stonk, même si je trouve, bon, après, en même temps, là, avec tous les mobs qu'on va aligner... Je pense voilà, qu'on va aligner beaucoup, je pense. Après, par contre, pas que Pyro, il nous fasse une longue description des mobs, parce que si j'ai mis 15-20 minutes pour juste faire la mienne tout seul, là, on n'est pas prêt. Je pense qu'on va aller, sur certains, on va aller beaucoup plus vite. Ah, oui. Les petits monstres, ça, alors les petits monstres, j'ai fait une catégorie à part où j'ai marqué petits monstres. Les petits monstres, c'est très simple, on les fait pas. Voilà, ouais. Je pense qu'il y a pas besoin de les faire et de toute façon ils sont tellement d'accord. Peu utiles que bon. Voilà, personnellement moi je les fais clairement pas. On est d'accord. Inutile, mais j'aurais fait une case inutile. Genre, je fais même pas de case pour. La Talca. Alors. Attends. Bon bah moi je vais le mettre, je vais faire un juste milieu et puis je vais le mettre dans bon, à côté du Glavenus Acide. Ok. La Talca, ça va dans l'excellent, je suis désolé. La Talca, bon, alors, je suis quelqu'un qui a été très virulent sur GU, je l'admets. Oui. Mais je dois reconnaître que cette saloperie de merde d'insecte Megazord, mes couilles au bord de l'eau, c'était plutôt fun et marrant comme fight. Donc je le mettrais au moins dans This Is Fine. Ok, alors... j'ai joué beaucoup à Genu. J'ai fait j'en ai fait pas mal quand même des Atalka, mais c'est vrai que généralement pour moi c'est simple, hein, c'est pas un boss final. Je m'explique, hein, c'est pas un boss final parce qu'en fait certes il y a la musique épique, il y a le fait qu'il se transforme en Megazord Power Ranger, je sais pas quoi, mes grosses burnes, peu importe, pour moi c'est pas un boss final parce qu'il dure 5 minutes. Voilà. J'ai plus l'impression de faire un boss d'event. Bah, même pas, genre vraiment. Pour moi, je suis désolé, hein, il va clairement là. Il est pas utile. Il est pas utile à MH. Non, mais Yugo Giral, mais si, je l'ai fait, ton jeu de ses morts là. Je me suis arrêté après. Attendez, on va faire un truc. C'est que ça. Je décale un peu. Alors, honnêtement, je vais dire un petit peu ce que je pense de la Talca. Pour moi, la Talca, c'est vraiment le meilleur boss final, on va dire. Le meilleur boss final, non, faut pas déconner non plus. Oula, attention, meilleur boss final, fais attention à ce que tu dis. Heureusement, là. Oui, mais j'assume totalement ce que je dis. Hein. Le Dalmadur, le Gok Mafios, c'est des bons combats. Y a pas vraiment de soucis dessus. Mais la Talca, en termes de... Comment dire? Même pas en termes de gameplay, etc., oui. Mais en termes d'originalité, quoi. Mettre un Neopteron en boss final, c'est couillu, et pourtant c'est réussi. Le machin, elle a une puissance destructrice d'un Gok Mafios, d'un... Peut-être pas d'un Atreon non plus, mais bon, voilà, quoi, il a... Ah non, mais oui, Bolo, il est fort. Il est charismatique, quoi, la Talca, quoi. De toute façon... Enfin, moi perso, j'ai mis dans excellent. Mais bon.
Bon, perso, c'est Raelion Stonk, hein, à la limite de Dixon. Ça aurait été dans This Is Fine. La Cantor. Ouf. Oh là là. Alors là, là, ouais. Ça va très clairement. Là, ça va. Là, ça va. Civil War. Là, Civil War. Ouais. Non, non. Alors moi personnellement, c'est entre Sac et le Bonheur et This Is Fine. La Cantor, pour moi, c'est une fight que j'ai toujours trouvé classique, simple, efficace. C'est un gros monstre. Ouais. Et puis voilà. Ouais, on est à peu près d'accord en fait. La Cantor est assez plat. Je pense que comme ouais, il est assez plat, je le mettrais dans This Is Fine. Il est bien comme moi, il est. Moi, c'est This Is Fine ou One Stonk, mais ça, je le mettrais pas autant élevé. Ah, moi non plus. Alors, celui-là, ah. Alors, attendez. On va parler par génération, ok? Très bien. Ouais. On va commencer. Là, ça va jouer un peu. On va commencer par Tri 3U. Dans Tri et 3U, l'Alatreon était Jésus. Je vais être très clair. Pour moi, il était oui, clairement il était Jésus. Parce que c'était le premier monstre à avoir plusieurs éléments, avoir un thème aussi classe. On s'en déconne. Je suis pas fan de son thème. Ouais, je sais pas. Franchement, moi perso, il m'a toujours plu. Et surtout, 3 quoi. Genre 3U. Enfin non, Tri. Tri, parce que le multi de Tri est incroyable. J'ai jamais joué à Tri normal. Non, oui, par contre, non, la musique de Tri, je suis d'accord, à la fin, c'était goldé sur... En fait, c'est seulement ça qui m'a fait apprécier la Tréon dans Iceborne. C'est le petit thème de 3U à la fin. Alors, je vais m'attirer les foudres de tout le monde, mais honnêtement, je préfère la Tréon d'Iceborne à celui de Tri. Hérésie ! Attends. J'ai pas Iceborne, déjà, juste pour dire. Ouais. Déjà, j'aimerais m'expliquer un petit peu. La Tréon de Tri possède deux phases élémentaires, qui étaient clairement distinctes, on peut dire. Une phase feu-dragon, une phase glace-foudre. Oui, c'était en fonction s'il était à terre ou en l'air. C'est ça. Et en fait, en l'air, je le trouvais, mais insupportable. Dans Tri, il était chiant sa mère dans les airs. Ça, y a pas de. Mais Tri, c'était pas un merde. Ouais. Je me souviens, Tri, c'était pas à l'époque où tu mettais 40 minutes pour la Tréon et t'étais jamais sûr de le réussir à la fin avec tes potes. Si. Alors, j'avais la même sur 3U, mais personnellement, la Tréon, je le mets dans Sac et le Bonheur. Parce que de 1. Alors, en fait, je peux pas le mettre dans Jésus. Dans le sens où. Je sais pas, genre, il manque. Enfin, c'est pas il manque quelque chose. C'est que. Je sais pas, j'ai l'impression que les devs, ils ont voulu faire beaucoup. Mais le truc, c'est que ça a rendu le truc beaucoup trop compliqué. Genre vraiment. C'est-à-dire que. Là, je parle de la Tréon d'Iceborne et de ce que j'ai vu en live et tout. J'ai vraiment une impression que le mob, il est stonk, mais ultra stonk, quoi. Il est ultra cheaté. C'est à cause de la mécanique des PS. Je pense sincèrement que c'est à cause de la mécanique. Ils ont voulu faire quelque chose et ça. C'est pas que ça a foiré, mais c'est que ça a niqué le gameplay. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est pas un monstre accessible à tout le monde, c'est vrai. C'est un monstre qui a beaucoup. Non, il est pas accessible à tout le monde, tu vas pas le commencer. Non, exactement. C'est pas du 24. Hein. Non, mais c'est ça. Il est pas accessible à tout le monde, mais je pense que c'est le principe de la Tréon. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas passer fin de rangée. Je parle de 3U là. C'est pas parce que tu finis ton rangée que tu vas forcément aller te taper un Alatreon tout de suite. Hein, très clairement. Tu finis ton rangée, t'as pas une bonne armure. C'est très simple. Et tu te fais enculer. Mais tu finis ton rangée déjà. T'as d'abord la quête la marque du héros dans le village et ensuite t'as la quête Brillante Ténèbres. Et là, Brillante Ténèbres, c'est l'Alatreon, c'est là où tu prends vraiment cher. Oui. Brillante Ténèbres, tu te prends. Comme ça, le fist, incroyable. Non, mais j'ai réussi à 48 secondes avec une armure de rangée. Les gars, monstre de rang supérieur. La mécanique est excellente. Je dis pas que la mécanique est nulle, je dis juste qu'en fait, justement, le niveau de jeu a augmenté d'un seul coup. Genre, il a fait, hop là, stonk instant. Paye ton aide, je t'emmerde, Yugong. Ouais. Bon, non, Yugong est de mon avis, je pense. J'aimais bien la Tréon d'entrée et 3U. Ouais, voilà.
Après, bon, je t'avouerai que j'y passais sur 3U, j'y passais au moins 40 minutes pour en faire un, et encore, j'étais jamais sûr. Après, quand il est arrivé sur Iceborne, bon, alors déjà, oui. je m'attendais à Fatalis, donc que ça aurait été Fatalis ou voilà, très bon. J'en avais déjà plein le cul parce que je trouvais ces deux DA surcotés. Mais bah, quand il est arrivé, bon, j'ai fait bon, allez, ok, on va le faire. Tu trouvais les deux DA à chier déjà avant qu'il arrive, on s'en bat les couilles. Voilà, les deux, je l'ai trouvé. Bon, j'ai fait ok, alors, tant pis. Alors, là, attends. Ce qui m'emmerde, bah déjà, on s'attendait à un Gormagala, donc voilà quoi. Le DPS check, voilà, c'est juste ça qui m'emmerde avec l'Alatréon. Sinon, en vrai, ses moves ils sont assez cool, ils sont assez sympas, et en vrai, c'est ce qui va assez facilement quand t'as l'habitude d'en refaire. L'Alatréon, c'est Jésus, non, pas pour moi. Et la hitbox de l'Alatréon n'a jamais été aussi bien faite. Je lui accorderai pas la case Jésus, hein, clairement. Ah non, moi non, très clairement pas. Je l'accorde dans la case très bon, pas dans excellent, mais dans très bon. Hey, je veux bien retirer la mauvaise foi et mettre aussi très bon, on passe à un mob que moi personnellement j'apprécie énormément. Ouais. Mais que je vais te tourner l'Altaroth. L'Altaroth. Non, pas l'Altaroth. je prends après. Non, mais au pire, vous savez quoi? Voilà, ça, voilà, merci à tous. J'adore ce mob. C'est mon dragon ancien préféré, donc je veux pas être objectif. Non, je déconne. Je vais être objectif, ouais. Ouais, c'est mon dragon ancien préféré. Alors. Lamatsu, déjà faut savoir un truc, c'est que moi déjà j'adore tous les monstres qui ont l'élément vent, tempête, enfin tout ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Un truc qui a un rapport avec la météo. Si, le Kushala, justement, c'est là où on peut m'insulter. Ouais, attendez. Attends. Tu vas pas me dire que tu mets dans les. Je parle du vieux Kushala et pas celui de Borl. Avant quand il avait la mécanique du poison et de la foudre. Ouais. Ça c'était bien, tu vois. Là il l'a plus, bon, ça, c'est un peu chiant. Là c'est mon troisième DA préféré. Il a chié, ouais. Attendez, je lis le chat. Le Naria Selini, t'es le Sidious, c'est Jésus par. C'est Jésus par contre. Narga Selini. On en parlera. On en parle plus tard. Voilà. Ouais. T'aimes le Kushala, t'es sérieux? Oui, j'adore le Kushala, c'est l'un de mes DA préférés. Après la Matsu, en fait, c'est débile. Donc voilà. Après, t'oses discuter de mes goûts, Yugong. Voilà, merci. Donc moi personnellement, juste parce que je le trouve stylé, il va clairement dans Sac et le Bonheur. Voilà. Jésus, vraiment, je le réserve pour des monstres qui m'ont marqué en fin de compte. Vraiment, qui m'ont marqué. Mais moi personnellement. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls. Hein. Lamatsu, je l'ai trouvé plutôt cool, mais après, je l'ai pas trouvé spécialement ouf. Je l'aurais plus mis dans This Is Fine. Alors, tu l'as affronté sur quel opus, Lamatsu, toi? Serd. Dommage. Lamatsu, je l'ai affronté dans tous les jeux où il est apparu. Donc, ouais, pareil, cool. Pareil. Sauf Frontier. Frontier et Online, j'ai pas fait. J'ai pas fait Frontier Online non plus. Moi non plus, et je pense que trop peu de gens l'ont fait pour déterminer. J'avais pas vraiment joué à l'époque. J'ai regardé le gameplay, franchement, Lamatsu de Frontier et Online, oh là là, ça quel plaisir, punaise. Ça doit être incroyable avec tout ce que peut faire Frontier. Je veux dire, il y a des moves de Frontier, je les comprends même pas. Mais mec, Lamatsu devient un Amatsu des ténèbres, il contrôle le dragon et le vent, c'est super stylé. Et l'eau. Ok, d'accord, c'est le meilleur. C'est comme ça, c'est vrai que ça fait. C'est le meilleur. Ah, le. Non, ok, bah, je le mets dans excellent. Attendez, je rétablis la vérité. Ce n'est pas notre tier list, c'est une tier list que Pyro m'a filée. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais c'est une tier list qui existe sur le site Tier Maker et qu'on peut trouver. Donc, non, ce n'est pas ma tier list. Voilà. C'est pas la mienne non plus. Les chaînes, je ne l'ai jamais fait, mais de ce que j'ai vu, il a l'air horrible. En fait, c'est absolument horrible. Pour l'avoir fait beaucoup de fois et PL un peu beaucoup de monde dessus, effectivement, il est horrible. Donc, ça partirait plus sur un Unstonk ou Rayleon Stonk, mais alors, en fait, pour moi, le problème, qu'il a rien à foutre. Il a rien à foutre, en fait. Il a rien à faire dans MH, en fait. Mm. Donc, c'est soit Rayleon Stonk, soit Nick the Bee, parce que. Mais. Bon, la vérité. Non, mais en soi. Les gars, le vieux les chaînes, mais punaise, c'est. Et les gars, c'est pas... The Witcher. Mais c'est The Witcher, c'est vrai. Mais en plus, je suis désolé, mais le monstre, il a rien d'agréable, quoi, en fait, à chaque fois que tu l'affrontes. Moi, je l'ai affronté une fois, j'ai fait, hop, c'est bon, c'est plié, je veux plus le refaire, le machin, quoi. C'est un des seuls monstres où je me suis dit ça, quoi. Donc, pour moi, il va être dans Abominable, mais direct. moi, je l'ai farmé sans problème. Ouais. Bon, moi, j'ai pas.
Lanjanat, personnellement, je le mettrais dans This is Fine. This is Fine, bon. Pareil, ouais. Lanjanat, bon, j'ai jamais eu de problème avec, il a un bon design, il est assez cool. Il a vert clair ou vert jaune, le This is Fine pour vous. This is Fine, c'est jaune. C'est jaune, quel c'est bonheur, normal. C'est orange. Ah, moi je le mettrais plutôt dans correct, Lanjanat, en fait. C'est le premier monstre qu'on a vu dans World, mais en fait, il est pas ouf, quoi. Niveau design, c'est juste un T-Rex, en fait. Oui, non, mais il est sympa en plus, il est pas désagréable. C'est un T-Rex. Mais il a des habilités que on a jamais vu sur un autre monstre, c'est-à-dire que le mec crache des flammes vers ses narines. Et il a des ailes. C'est un design illogique, mais très cool. C'est du Capcom en fait, hein, franchement. Ah ouais, non, mais Coma, pareil, je préfère un peu plus Lanjanat au Devil, mais j'attendrai plutôt Lanjanat Tonnerre hein, pour dire. Oui, non, mais voilà, c'est, ouais. Voilà, c'est ça. Non, donc, mais... Andreas, normal, je mets dans correct. Je mets pas dans bon, je mets dans correct. Jeannette, attention, vous allez me frapper, je le préfère au Devil Joe. Bah la vérité c'est que ouais, le Joe je le préfère réellement à Lanjanat, mais après bon, y a pas, je sais pas, genre, tu peux pas les comparer, enfin j'arrive pas à les comparer les deux, même si c'est la même espèce. La même merde, on peut dire. L'Arzuros. L'Arzuros. Bon. Oh là. En vrai. Je me souviens que comment je commençais une game sur 3U, c'était la première armure que j'essayais de faire. Ouais, il est vraiment pas ouf, je le mettrais dans... Il est pas spécialement ouf. Ben, il est pas marquant, ouais, en fait. Il est pas marquant, il est... ouais, trash tier, voilà, il est complètement... Ouais, non, mais c'est Winnie l'ourson, le bordel, hein. C'est bon. C'est clairement Winnie l'ourson, les gars. Le Laoshan... Enfin, la chaîne Laoshan... Enfin, le Laoshan Lung cendré. Le cendré, donc c'est-à-dire le rangé de FU. Où il me semble. Aïe, aïe, aïe. Alors, la première fois, c'était spécial. Alors, le Lao Chan, parce que là, on parle du HN, là. On parle pas... Le HN, c'est là, normal. Là, on parle de Lao Chan. Alors, déjà, qui se souvient du combat de ce monstre? Moi, personnellement, je m'en souviens parfaitement bien. Très personnellement, je pense que des gens vont me détester, mais je le mets dans le dernier tiers. Ah voilà. Ouais, d'accord. Ah ouais, t'es vénère. Alors, Lao Chan... Je mets pas dans dernier tiers, je mets dans oubliable, moi. C'est Moi, je l'aurais juste mis en Onstonk ou alors Really Onstonk, ouais. Non, moi, je le mets dans Nixeby parce que vraiment, en fait, son rien. Combat me pétait les couilles, en fait. C'est-à-dire il a rien, le combat... en fait, il a rien. Bah, il a rien en plus, je trouve, quasiment. Il a rien, non, il a rien en plus, il est pas réapparu depuis, et deuxièmement, le combat dans FU, il était interminable. Ah oui, c'était par contre, chiant. D'accord, oui, il était méga long pour juste le tuer. Hein. Moi... Juste mégalon pour juste le tuer et au final même pas tout dépecer parce que tu galérais à dépecer à l'époque. Donc ça servait à rien. Tu perdais ton temps. Ben, je mets dans oubliable personnellement. Non, il est pas dans Genu. Celui qui est dans Genu, c'est le Lao Chan. C'est le seul et unique qui est dans Genu. Le Keshawasha blanc. Qu'est-ce que vous en pensez, alors, oubliable à fond. Franchement, Rayleigh Unstonk, parce que putain, il est inutile. Alors il est pas inutile non plus, mais en fait, sa seule particularité, c'est qu'il crache du feu. Et puis, comme il a aucune attaque de feu de plus, en fait, enfin, il fait toujours les mêmes attaques, quoi. Ouais, non, mais c'est. Ouais, voilà, quoi, il sert à rien, ouais. En fait, le machin, quoi. Ah oui, mais bien sûr qu'il sert à rien, bien évidemment. Oui, bien totalement. Évidemment. Après, je dis pas, j'aime bien les couleurs. J'aime bien les couleurs du Kesha blanc. C'est tout. Alors, l'Astalos. Oh, ça, quel bonheur. Ouais, c'est franchement, ça, quel bonheur. L'Astalos, c'est le premier des quatre condamnés. C'est l'un des quatre condamnés. C'est le premier, ouais. Et personnellement, son design est super cool. Je le trouve bien stylé. Moi, et il a sa place dans ça, quel bonheur, sans déconner. Je mettrais dans bon Last of Us perso. Voilà. Tu peux pas le mettre en Unstong parce que vraiment genre il est vachement. En plus j'ai pas en fait le thème est génial par contre. Non, je déteste le thème de Last of Us. Ouais, mais toi quand je sais c'est lequel ton préféré des quatre condamnés, bon. Non, mon préféré en équipe, enfin à peu près égal quoi, c'est Mizutsune et le Gamos, mais bon voilà quoi. Ouais, c'est Mizu, Asta. Alors, Rathalos Azur. Rathazur. En vrai, c'était juste un Rathalos bleuté avec peut-être un chouïa plus longtemps en l'air, c'est tout. Je le mettrais en bon. Fait, il... Moi, je le mets en mai, le Rathalos Azur. Ouh là 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 là.
Je vois celui, regardez-le. Alors, aïe. Le gilet foudroyant, les gars. Il est temps de parler sérieusement, là, parce que là on parle gentiment depuis tout à l'heure. Franchement, lui, c'est vraiment alors... une fils de pute. Voilà. Oui, non, là, c'est le Tamer The Bee. Hein. Je me souviens de mon premier affrontement avec lui. J'ai beaucoup moins galéré que Giginox normal à affronter, mais il est horrible. Il est horrible, le Giginox foudroyant, quoi. Parce qu'en fait, il me semble qu'il a une quête DLC. Giginox, c'est le feu. Non, alors je refuse. Il va dans Nick the Bee parce qu'il m'a pété les couilles. À un point, il était sur sa mère. Vraiment. Bleu foncé, enfin, bleu foncé, vous Bah, moi, je vais dire, il est une stonk, mais bon, bah, lui, il l'a carrément mis dans Nick the Bee. Moi, j'ai mis dans Abominable. Ok, non, je peux le mettre dans Rally Unstonk. Parce qu'en soi, son combat est sympathique, mais t'es chiant. Bah, en fait, il apporte quasiment rien par rapport au premier Giginox. Le premier Giginox, il a un truc, même s'il est complètement cancer à fuck. Le problème, c'est que là, en fait, déjà le design de peau élastique machin et tout, c'était déjà ce que faisait le Keizu. Donc en gros, ils ont juste fait un corps de Giginox, ouais, mais ils ont mis les habiletés du Keizu, c'est un peu chiant. Donc, j'aime beaucoup sa couleur. Alors, le Bamba rouge, je le mettrais dans This is Fight. Bamba World Time. Moi, je le mets dans May. Mais le Bamba rouge. This is Fight, ouais. C'est vraiment genre l'antécadrome. De ce que j'ai vu, j'apprécie assez. Donc, ça. Moi, j'y trouve complètement débile qu'il l'ait mis dans toutes les maps. En fait, c'est tout. Par contre, je trouve ça débile de l'avoir mis dans les mobs qui peuvent... Et dans toutes les maps et tout, et c'est... Il y a clairement un look de mob de... Bon, allez, zone enneigée ou alors zone rocheuse, mais c'est tout. Ouais, bah ouais, mais tu le fous pas dans un volcan, je suis désolé. Oui, dans le volcan, c'est pas logique. Ouais, c'est complètement con. Ok, alors, est-ce que là, c'est on peut ton parler, préféré, s'il vous ouais, plaît c'est ton monstre préféré. Allez, vas-y. Vas-y, sur le cœur. Moi, le Baryot, c'est très simple, je vais le mettre en Jésus. Peu importe ce que vous me dites, je le mets en Jésus. C'est mon monstre préféré avec un autre monstre, mais je m'en fous. Peu importe ce que vous me dites, le Baryot restera toujours Alors, dans mon petite note. Petite note pour le chat, son deuxième monstre préféré, c'est le roi Chakalaka. Voilà. Au revoir. Non mais Baryot, je l'aurais mis dans le This is Fine parce que en vrai c'est le squelette de Narga T-Rex, mais bon après le fight est cool, le design Baryot, ferme là. Tout ça parce que t'as le seum, j'ai pas mis ton putain de mob de merde à la tronche. Ce que je veux dire c'est ouais pareil, moi je l'aurais pas mis en Jésus le. Okay. Non, ouais, tu me touches pas là. Non, je touche pas là, t'inquiète, c'est bon. Non, en soi, vraiment, j'ai eu que des bonnes chasses et que des bons feelings avec ce mob. À chaque fois, je l'affrontais, même quand j'étais chill et pas concentré, je me tapais des grosses barres parce que vraiment, il faisait n'importe quoi sur les murs, c'était trop drôle. Je l'ai fait OOB à un moment, j'ai pas compris. J'ai pas la vidéo sur moi, donc je peux pas vous la montrer. Mais à un moment donné, il s'est coincé entre la sortie et entre deux sorties et je lui tapais que la tête. J'ai pas compris. Ok. Donc voilà. Il y a un truc qui m'avait marqué avec le Baryot aussi, c'était que quand il arrivait dans la zone 4, il me semble, dans la zone 4 de la toundra, ou 2, c'était la grande zone au milieu, en fait il arrivait mais par la forêt en haut. Oui. Oui, c'est bon, je pense. Ça me dit un truc, ouais. C'est la seule chose qui m'a marqué chez le Baryot, en fait. Le Baryot, après, sinon... Ouais, le combat est sympa. Je suis d'accord pour mettre ne pas mettre le Baryot dans Jésus. Par contre, il va dans Sac et le Bonheur. Ça, c'est sûr. D'accord. Je le mettrai pas dans... Je te le laisse. J'ai mis dans correct, le Baryot. J'ai mis un point en dessous. Allez, vas-y. Même niveau que Chandjana. Le Baryot. Bon, alors, le Baryot, là... ça a été un grand défi dans MH3U, je me souviens. On est d'accord. Ouais. Alors, ouais, vous savez, vas-y. La Guilla, vas-y. Non, dis-nous. Ça allait, c'est juste que ça me faisait chier quand j'avais besoin de sa boue à la con. Oui, la boue fertile. Oui. Moi, personnellement, le Baryot, de mon côté, je l'ai toujours vu comme...
un stonk, une hausse de difficulté absolument incroyable par rapport aux monstres qu'on avait avant. C'est-à-dire que entre le Kurupeko et le Barotte, il y avait un fossé gigantesque. Je suis assez d'accord avec Omar, en fait. Le Barotte, c'est un peu le monstre final pour, entre guillemets, le tuto de MH. C'est exactement ça. C'est vraiment le truc final. Donc, personnellement, j'aime bien le Barotte, je le mets dans Odyssey's Fine. Mais je me souviens à quel point j'ai galéré pour le battre. Hein. Le Barotte, je mets au niveau de l'Astalos, perso. Je mets au niveau de l'Astalos parce que, très clairement, ça a été un monstre qui m'a marqué, en fait. C'est tout. Il m'a marqué parce que... comment dire, je l'ai affronté pour la première fois, je me souviens, j'ai réussi dès la première quête, donc moi j'étais content. Mais après j'ai galéré contre le Gobul, donc voilà quoi, je m'en fous, mais bon. Le Gobul. Ah le Gobul, ah là là là, on en parlera après, mais le Gobul pour moi c'était épouvantable. Là, le Gobul, là, moi je sais où je le mets, hein, très clairement. Alors, le Bazarios. Bazarios, alors, oubliable, clairement. C'est tout. Parce que moi, tout ce qu'il me faisait à chaque fois, c'était ta charge avec sa hitbox foireuse, laisse tomber, hein, oublie. Bon. Non, mais Fur et Fu, il était chiant quand même. Il était juste chiant. Ouais. La Basel. La Basel normale. On en profite. J'hésite entre This Is Fine ou ça, quel bonheur. Moi, le perso, je le mets dans This Is Fine. Je le mettrais dans Bonheur. Il est un bon monstre. Ça engendrait des nouvelles phobies. C'est les VK explosives. Je sais plus si c'est le ou la Basel en fait. C'est le Basel Gueuse en fait. On croyait que c'était la Basel Gueuse au niveau du nom, mais non. C'est le Basel Gueuse, c'est écrit dans le jeu. C'est comme le Velkana, c'est le Velkana, pas la Velkana. Ouais, ok. Oh, c'est pas grave. Ouais. Mais juste pour le bon petit traumatisme que le Basel nous a mis... c'est un gros truc, hein, sans déconner. Ouais. Putain, j'adorais... Là, tu vois, t'étais tranquillement en train de chasser, je sais pas, ton Barotte ou pas. Là, tu vois... Non, t'entendais le bruit de violon, là, en fond, là, tu disais « Ah, il y a un truc !» Je me retourne, je vois une Basel... Ah. Très bien. Bon, alors, le premier monstre qui a engendré les compositions... pas les full DPS quoi. Ouais. Bah déjà le premier monstre qui ne fait pas partie de Monster Hunter. Oui. Bon, qui est apparu, c'est qui est une collab de Final Fantasy. Le Behemoth. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas passé un bon moment non plus. Personnellement, le Behemoth ça a été un réel défi. C'était vachement cool. Donc personnellement, je le mets dans This Is Fine. J'ai pas... J'aurais plutôt mis un Stonk, mais... Personnellement, perso, il va là. Moi, je le mets dans Oubliable. Très clairement, le Behemoth, j'ai fait une fois. J'ai fait une fois en extrême aussi. C'est tout. Moi, je veux plus le refaire, en fait. Dès que t'as fait pour obtenir les trucs, c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça, bon, en fait. Genre, voilà, quoi. Après, ça sert à rien du tout. Ouais, il sert... Le Béotodus. Oubliable, large. Béotodus. J'en attendais. De glace, donc voilà. Béotodus, ouais, je suis oubliable, ouais. Je le vois. Je vois pas en fait ce que je peux dire sur lui en fait. Les moins marquants que le Bambaro. Donc voilà quoi. Allô, le Tetsukabra féroce. Ah, lui par contre, je vais bien en parler un peu. Ouais. Je l'accorderai pas, je mettrai Unstonk. Unstonk aussi. Unstonk. Ah, carrément. Parce que pour moi, c'est juste un Tetsu, mais avec, je crois, quelques trucs en plus. Mais... juste la poisse. Il fait des pierres explosives en plus. Juste en fait. La poisse. Mais c'est... bon, si je veux de la poisse, je vais voir un brachet. Je parlerai peut-être plus de sa déviante, mais là. C'est vrai que la Déviante est meilleure que le Tetsu Féroce. Mais après le Tetsu Féroce, moi je suis. Ouais, on va dire. Mais pour Tetsu Féroce. Ah là, on arrive à la femme en chaleur, les gars. La femelle. Diable Star. Alors. On se rappelle de tous ceux qui l'ont fait en haut rang, en alpha et qui se faisaient défoncer ses grands morts. Alors déjà. J'aimerais qu'on parle d'un truc. J'aimerais qu'on parle d'une quête, les gars, avec la Diablos noire. Est-ce que vous vous souvenez sur Monster Hunter Freedom Unite, dans les dernières quêtes du village,
avant le Laotian. Il y avait une quête. Il y avait une quête de double Diablos. Un Diablos, une Diablos noire, à chasser dans le désert. Oui. Cette quête était abominable. Cette quête était abominable. À fond sur l'un, il y a l'autre qui arrêtait pas de venir s'incruster. C'est ça en fait. Si même t'avais beau avoir des bombes de bouse, toutes les deux minutes ça revenait. C'était horrible. Alors moi personnellement, Diablos Noir, j'adore ce monstre. Ça peut paraître bizarre, mais je l'adore parce que c'est le. C'est une femelle en chaleur, c'est ça qui t'excite en fait. Ouais, non, pas du tout. Absolument pas, c'est juste que ça apporte du challenge. Je pense sincèrement que le Diablos, c'est l'un des monstres qui a apporté un vrai challenge. Diablos normal, je suis d'accord. Par contre, le Diablos Diablos noir, sur World normal, j'aimais beaucoup. Sur Iceborne, j'y trouve horrible. Là, la nouvelle attaque tunnel en boucle, là, je peux plus. Là, c'est bon, stop. La noire, elle est plus forte que Diablos normal. Hein. En fait, c'est vraiment des monstres qui ont bien plus d'attaque, mais beaucoup moins de défense. Et c'est là où est basé le problème, c'est qu'en fait, les gens qui vont attaquer le Diablos, en fait, la première fois qu'ils vont taper dessus, ils vont clairement, absolument pas comprendre quand ils vont se prendre un one-shot. Parce qu'ils se disent, mais c'est pas normal, comment je me suis pris un one-shot alors que j'ai une bonne armure. Et c'est simplement qu'en fait, l'attaque du Diablos et de la Diablos noire, elle est boostée x2 de base, en fait. C'est ça. Voilà. Mais en fait, le truc. En fait, j'ai pas beaucoup de. J'ai pas grand chose à dire sur Diablos Noir. En fait, j'aimais bien. D6 Fine. Franchement, D6 Fine, malgré que bon, j'aime beaucoup. Je vais pas lui mettre ça, quel bonheur, parce que c'est pas un bonheur de la faire. C'est absolument pas un bonheur, c'est horrible à la limite. Ouais, vous m'avez convaincu, je la mets en mai. Elle est pas dégueu, c'est un bon challenge. Mais le putain de merde. Alors celui-là, je l'aime bien. Alors lui, oubliable. Va te faire enculer, soit oubliable. Mais... Celui du 4U, je n'en parle pas parce qu'il est. Il est horrible. Il est beaucoup moins pire que sur FU. Ah, il est moins pire que sur FU, c'est ça, oui, mais il est quand même chiant. Il reste chiant. Il reste juste horrible, en fait. Il est pas désagréable. Enfin, je le trouve pas désagréable. Je le trouve absolument chiant à mourir. Il est absolument horrible, en fait. Par la suite. Ouh. Alors, Valazak Fléau. Je mettrai dans ici. Mon avis serait. Déjà. Ah, quel bonheur! J'aime beaucoup le Valazak, mais c'est l'un des premiers mobs sur lesquels j'ai galéré. Le fléau, par contre, la petite ref à Alien. Oui, j'ai vu ça, oui. Effectivement. Dis-moi tout. Au début, oui! Dans la cinématique, Alien 3. Oui. La référence à Alien 3 dans la cinématique, oui. C'est la seule chose auquel j'ai. Moi je trouve que c'est une version plus poussée, plus contaminée du Valazak classique que je trouve intéressant. Je le trouve moins bien que le Valazak de base en termes de gueule. Alors en fait, moi personnellement, c'est juste à ce moment-là bien précis. Je ne joue pas à The Last of Us. Mais pour moi, je sais pas pourquoi, ça me fait réellement penser à. Au claqueur. Un claqueur, exactement. Ouais. Un putain de claqueur. Donc moi, j'apprécie beaucoup. J'aime bien les designs, etc. Donc voilà. Après, je parle design, mais niveau combat, Valazak, j'ai du mal. Hein. J'ai beaucoup de mal. Non, hein. Franchement, j'avoue que je suis obligé de faire une armure avec le talent mort-vivant, sinon... Le Valazak Fléau m'a pas du tout marqué. Le Valazak Fléau ne m'a pas du tout marqué. Moi, je mets dans oubliable. Je suis désolé, mais voilà, quoi. Blangonga... Il va dans Raelion Stonk. Il va dans Raelion Stonk. Attends, c'est quelle couleur Raelion Stonk pour vous? C'est après Nick Tamer Zombie. Non mais merci beaucoup, mais j'ai pas les mêmes noms. Il a pris les mêmes. Lui. Il a changé les couleurs aussi, Nixius, donc. Oui. Est-ce que juste sur le live, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous les entendez toujours bien et tout?
J'espère que je me fais pas trop insulter dans le dos parce que je peux avoir le chat. Non, pas du tout. Ils étaient en train de discuter. Ah, ouais, par exemple, mort dans le dos là. Tu devrais voir. Non, ok, d'accord. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, nickel. Okay, on est combien? On est 13, c'est gentil. Ouais, oh, ça va, c'est cool. Ouais. 13 personnes, c'est cool. C'est bien. On en a où? Blangonga? Non, attends. Attendez, j'en suis encore au Blangonga. Le Blangonga, moi, ouais, je le mets dans correct. Je mets dans correct. Diablo soif de sang. Le soif de sang. Attends, Yugong. D'abord, j'avoue, je suis un peu du même avis, Yugong. Je le placerai dans ça, quel bonheur. Oui, mais moi, c'est un moi, j'adore. De challenge de malade. Ouais. Alors, moi personnellement, la première fois que j'ai fait la bain de sang, c'était complètement en vidéo et j'ai été très très agréablement surpris par toutes ces attaques. Franchement, ça va là et ça va même devant tous les autres. Enfin, je vais même faire une tier list dans la tier list. Hop, incroyable. Voilà. Je suis désolé, la Stalos, il reste dernier, la Tréon. Bon, les deux vont au même niveau. Mais voilà. Personnellement, la Bloodmass, c'est l'un de mes monstres préférés aussi. Parce que c'est le déviant. C'est le déviant qu'on attendait. Vraiment. C'est la définition d'un déviant. C'est la définition de la difficulté dans les matchs. Yugong, ce que tu dis dans le chat, ça pourrait être pris différemment, mais tranquille. Ensuite. Ouais, il fait des anecdotes de cul, c'est ça? C'est vrai, non, pas obligé. Merci, Yugong. Est-ce que des gens ont des choses à rajouter? Non, moi, perso, je suis d'accord. Pyro, peut-être. Sur le bain de sang, là? Bain de sang, ouais. Bain de sang, personnellement, je trouve que c'est un monstre tout simplement excellent. Moi, je le mets au niveau de la Talca et de la Matsu. Ok. Alors ça va direct là, hop, je m'en bats les couilles. Ensuite. Honnêtement, je veux pas, parce que y a rien à part un swap color. Alors honnêtement, je veux pas crier sur un QQ Army, mais le cut bleu, il sert à rien. Il est oubliable. Je suis désolé, oui. Mais c'est juste un swap color. Ouais. Ah non, mais le coup de cou, on le mettra peut-être dans Jésus, mais par contre, le bleu, alors, je suis désolé, il est bleu. Ouais. Moi, je me souviens surtout de celui de online, Nick. Voilà, c'est tout, merci à tous. Ah, celui de online, il avait un bon thème, c'est tout. Il avait un bon thème, celui de online. Attendez. Oh non. Oh non. Attends. Juste pour avoir un avis réel sur la question, le QQ bleu, pour moi, il est dans Unstonk. Il est pas utile et je me souviens surtout du combat de online contre lui qui était galère de ouf. C'était l'un des mobs au moment où je jouais online qui était en mode je te défonce ta mère. Hein, alors. Clairement. La seule, je vais vous dire un petit peu pour le cut bleu, la seule chose dont je me souviens pour le cut bleu, c'est qu'il nous fallait absolument dans la démo de Monster Hunter Stories, c'est tout. Désolé. Ouais, exactement. Juste le saut couleur et après, ça a été vite oublié. Si tu mets pas le cut bleu, j'ai vu. Quel enfoiré. Ah, mais quel enfant. Au secours. Mais je sais qu'il serait capable, putain, il serait qui me saoule. C'est quoi ce mob? C'est les bois à bois. Bois, Bufango et tout. C'est un peu comme les Gajalaka ou les autres trucs, mais eux ils sont dans le biome glace. Ouais, tu peux les mettre dans Nick Hammer The Bee. Hein. Tu peux les mettre dans le monstre. Oulala, je vois celui qui arrive là. Oui, non, mais j'ai vu, j'étais déjà en train d'avoir un pet de cerveau. Ah, alors, ça, quel bonheur. Non. Alors. Lol. Ok, chacun son avis. Donc, la gars, tu le mets en ça, quel bonheur, on est d'accord. Ah ouais, large. Ah. Je vais le mettre aussi dans ça, quel bonheur. Pour moi, le prince orage, c'est une déviante qui, comme la Diablo, ça a apporté une difficulté, en fait. C'est-à-dire que il bouge beaucoup en version X, mais quel bonheur, en fait, de l'affronter. Je sais que je joue souvent avec Lumix et tout, et généralement, quand on faisait des Astalos... Prince Orage, je rage énormément, mais la vérité c'est que j'adore ce monstre, je le trouve beaucoup trop classe et je kiffe le bleu turquoise quoi, c'est un peu ça le truc quoi, genre
Ouais, bon. Franchement, il est incroyable ce mob. Et surtout, bah, Star Wars, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, les gars. Quoi? C'est le bonheur. Ah oui, bah, oui, Star Wars. Oui. Ben, pas moi. Ben, moi, j'aime pas Star Wars. Enfin, je suis pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas un grand fan de Star Wars. Ensuite, l'Astalos, j'ai pas plus d'affection pour lui. Le combat, je trouve nul. Enfin, nul. Je trouve horrible. C'est tout. Je mets au même niveau que le vieux Echen et que le Abathful Inox. Moi, je mets un abominable. Ça, y a pas à dire. Voilà. Au revoir. Salut mon pote. Allez. Allez. C'est ça. Salut mon pote. Salut mon pote. Le braqui, les gars. Là, je suis obligé de le dire encore, mais ça, quel bonheur. Ouais, le braqui. Ouais, peut-être pas, hein, vraiment. Non, je pense non, que pour la musique, pour ce que c'était dans 3U et tout. Plus après, bah, quand on le revoyait sur. Il est horrible dans World. Je trouve horrible dans World. Il a apporté la poisse. Hein. Il a apporté la poisse, oui. Cordon bleu, Braqui, ça quel bonheur. Non, pour moi ça va dans This is Fine. Ouais, moi perso, j'aurais mis ça quel bonheur, mais. Personnellement, le Braqui. Le Braqui, j'ai pas de. Je trouve qu'il a beaucoup apporté. Ouais. Hein. Il a beaucoup apporté, mais je le trouve pas non plus incroyable. Enfin. Il est. Alors, désolé pour tous les fans du Braqui, mais bon, dans World même, il est. Voilà quoi, je l'affronte pas le Braqui normal de World parce que voilà, je peux pas. Dans World, tu vas un peu le slash ignore parce que on sait très bien lequel est le meilleur Braqui dans World. Bien évidemment, oui, bien ouais. Évidemment. On en parlera mais plus tard. Mais dans 3U, c'était le feu. Hein, c'était le feu. Putain, Chili. Qu'est-ce que. C'est Greg Berserk. Thierry Berserk. Ah, Thierry Berserk. J'aime bien. Même niveau que le Braqui. Non, moi perso, ça serait Onstonk, hein, parce que pour moi, c'est le Tigrex, c'est juste un Tigrex qui gueule, c'est tout. J'aime bien Tigrex Berserk. Je préfère le magma, large. Hein. Ah oui, le magma est meilleur. Attends, j'ai dit qu'il allait dans DC Spine. J'ai pas dit qu'il allait dans ça, quel bonheur. J'attends le Berserk, j'aurais mis Onstonk. Je mets dans This is Fine parce que bah. Enfin. J'apprécie le Tigrex Berserk, après bon. Pas non plus incroyable. À part le fait qu'il joue plus avec ses cris, mais ouais. Après, il reste un peu la brutasse de Tigrex basique, c'est tout. Ouais, exactement. Alors, lui, en Jésus, ensuite. Le Bulldrome dans Jésus, t'es sérieux, mec? Le Bulldrome dans Jésus. Personne ne me contredit. Alors le Bulldrome honnêtement il est oubliable à fond. Hein. Il est complètement oubliable. À fond, surtout que lui j'arrivais tellement à le foutre au sol, il bougeait pas, j'avais juste à le marrer avec la GS. Non mais attends, sur FU mais c'était tellement une victime le machin. Merde, quoi. Le Bulldrome, oui, après un Ghiadrome c'est un monstre qui bouge de partout et tout et tout. Voilà quoi. Sa mère le Bulldrome. Je sais. Ah oui, mais... Mais juste le troll en fait, voilà c'est tout. Non mais... Lui, je le laisse. Le prochain monstre. Le Sidious. Le Sidious. Alors. Alors, à vrai, en vrai, c'était un peu un sac à PV. Et bon, les combats sous l'eau, ils étaient pas encore non plus très optimes, mais c'était quand même cool. Ça serait entre This is Fine et Quel Bonheur. Ça jouera entre les deux parce que ça a été quand même un des premiers dragons de flotte hein, si je comptais pas la Matsu. Ouais. Non, ouais. La Matsu. Non, la Matsu est apparue après le CA2 même. La Matsu est apparue, ouais, déjà il est apparu après. Moi le CA2 je mets au niveau de la Tréon. Ça a été un combat inoubliable pour moi. Sidious, c'est mon premier dragon ancien. C'est avec l'OST, avec la diva qui chantait en fond. Exactement. Ouais. Sidious, c'est mon premier dragon ancien. La première phase est longue et chiante, mais je l'apprécie énormément. Je pense que j'apprécie plus la phase où on le poursuit dans les galeries souterraines avec la flotte, plutôt que le combat de fin où on l'affronte dans l'énorme arène qui... Ouais, le petit combat dans les galeries, ouais. La galerie, je le trouve assez cool. Il est scripté, mais voilà. Et puis même en termes de game design et tout et tout, voilà quoi, là il y a une bonne utilisation du lot, voilà quoi, franchement. Bien sûr, il est sympathique, il est très bien. Voilà. Le Céphadrome.
Nique ta mère zombie, instant. Allez, ah, abominable, abominable. C'est la même. Abominable. Nique ta mère zombie, y a pas à discuter, tout le monde se tait. Tout le monde déteste ce monstre. Ah, quel bonheur. Le seul DA que je trouve, très original. Alors, c'est un DA qui ne ressemble pas à un DA, mais pourtant, il est meilleur que la moitié des DA. Je suis désolé, mais voilà, quoi. Il est vraiment bon, le... Je pense que le mix, il a deviné un petit peu, sauf que ça va pas être Nick the Beast, ça va être Alien Stank. Je déteste Camel. Sérieux? Je le hais, mais... Chacun ses goûts, mais ouais. Ah ouais, non, vraiment, je l'ai jamais réaffronté depuis FU. Voilà, depuis FU, je ne l'ai pas réaffronté. Ah, tu l'as pas fait dans 4 rues? Je l'ai pas fait, depuis 4 rues du coup. Mais Gen nu, je l'ai pas fait, parce que je m'en battais les couilles. C'est-à-dire qu'il est tellement inutile dans les DA, qu'il en est oublié, hein. Et juste pour certaines personnes qui ne le savent pas, c'est que c'est pas un trio, hein, Caméléos, Théostra, Kouchala. Hein. C'est pas un trio. Hein. Voilà. Bah si. Là, ça a été confirmé dans Monster Hunter GU d'ailleurs. Non, c'est pas un trio. C'est absolument pas un trio. Le Kouchala et le Théostra, c'est un duo. Le Caméléos est un dragon ancien à part par rapport à eux. Laisse-moi. Attends. Est-ce que je peux te contredire? Vas-y. Merci. Est-ce que tu vois les armures Théostra, Kushala et Caméléos? Oui. Oui. Est-ce que tu te rappelles de leurs talents? Oui. Pierre écaille, fer écaille et et pour le Caméléos, attends, pierre écaille, fer écaille et Ok. Mais pour moi, et poil humide, voilà, et poil humide. Non mais c'est les trois qui ont un talent contre. Qui s'appelle Anti-Théostra, Anti-Kushala, Anti-Caméléos. Ce que je veux dire, c'est que le... Oui, c'est un DA un peu à part, parce que contrairement aux autres qui maîtrisent un élément, lui, il maîtrise une affliction. Et non, mais surtout, il est oublié de la commu. Ah, je suis... Non, je suis pas d'accord. Non, que dalle. Il est pas du tout oublié de la commu, non. Ça, c'est pas vrai. Pour moi, complètement. Eh ben, c'est ton avis. On le respecte. Pour moi, c'est... Rien de son qu'on dit. Si je me place pas où je veux, là, je vais gueuler. Alors... Ah! Gormagala du chaos, Gormagala du chaos, Gormagala du chaos, ça quel bonheur. Il est sympa. Juste pour le thème et juste pour le. Parce que j'aime bien l'effet de transition sur le fait qu'ils ont fait un gore qui est en train d'évoluer. Oui, exactement, qui est en train d'évoluer. Je trouve ça très très cool. Alors, il est pas vraiment en train d'évoluer, c'est son évolution qui a raté en fait, mais. Dans le lore. Alors, c'est une évolution ratée, je croyais que c'était ouais, juste... Ouais, c'est une évolution ratée. Ah, d'accord. Je mets dans bon, le Gormaga du chaos. Parce qu'après, on a le Shigarumaga et Gormaga, voilà quoi. Pour moi, c'est moins marquant des deux, honnêtement, enfin, les trois, je les place tous au même endroit, clairement. Ah, ok. on a un Fanshipette. Oh, le... Rayleon Stank. Ouais. Rayleon Stank, tu vois. Il est là, il existe, mais très honnêtement, on s'en bat les couilles. Oubliable, on est d'accord là-dessus. Même pareil pour le prochain. Je pense que c'est pareil pour le prochain. Je suis d'accord, parce que il n'a pas apporté grand-chose par rapport à la normale. Ouais. Franchement, même moi, je l'avais complètement oublié il y a quelques temps. Et bon, juste en jouant à FU rapidement. C'est un Blangon gars de terre, mais sans Eblango, en fait. Exactement, c'est le cuivré en fait. Ouais. Ah, le Pouquet Corail, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, oui. Ok, d'accord, c'est bon. Bah, ça va dans Disky's Fine. J'aurais mis en non-stonk parce que moi je t'avouerais qu'avec son jet d'eau à chaque fois il m'a souvent cassé les couilles. Mais voilà, c'est pas non plus un mob que je déteste vraiment. Alors, je trouve que c'est le mieux réussi des... Enfin, c'est peut-être la sous-espèce la mieux réussie d'Iceborne, en fait. Par rapport au monstre de World. Non. De quoi? Pas d'accord? Non, pour moi... Ah, c'est vrai qu'on a l'Andlias Tonnerre, quand même. Ouais, de 1. Ouais. Ouh! Oh putain, le prochain... Ouais, le prochain... Lui, c'est instantanément ici. Voilà. Ouais. J'attends de voir où tu vas le placer parce que je suis curieux. Ouais, il a dû le mettre dans excellent.
J'aurais mis le Crimson, mais j'aurais pas mis le pour. Alors, le Crimson Fatalis Vermillon. Pas Vermillon d'ailleurs, Fatalis Cramoisi, pardon. Moi, je parle surtout du Super Fata. Ah, ah pour oui. Pour moi, c'est le Super Fata. Celui. Là, je te le laisse, j'avoue. Il est génial. Y a pas le Super Fata est génial, j'avoue. L'armure. Est-ce que tu te souviens de moi avec mon armure, comment je faisais le malin avec? Oui. 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 Complètement, je pense. Hein. Ouais. Moi, je le mettrais dans très bon. Je le mettrais pas dans excellent non plus. Mais je le mets au moins dans très bon. Je le mets dans quel bonheur. Je pense que c'est bien. Ça, quel bonheur, c'est le deuxième meilleur niveau pour toi. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Ok. Moi, j'ai mis dans le troisième. Le Curupico. Vermillon. Il est dans Nick ta mère, Zubi, parce que ça t'apprendra à m'appeler un putain de Devil Joe. Voilà. T'as voilà. Tout compris. Et c'est réellement ce qu'il fait pour la première. Orang, effectivement, le Orang, il comprend. Exactement. Ouais, la quête Orang dans des. Non, c'était pas dans le désert, c'était dans. Oui, disparition de fleurs dans. La forêt inondée. Ouais, dans la forêt inondée. Mais qu'est-ce qui était chiant. Il te faisait un cri que tu connaissais pas, et puis en fait là tu vois, le Devil Joe tu l'avais déjà rencontré plus tôt parce qu'il était dans la quête des Jagia. Et déjà il te faisait peur le machin. Ouais, et là, t'étais pas obligé de l'affronter, tu fuyais, c'était bon. Là tu devais à cause du Curupico tu devais le supporter. Oui. Et si t'avais pas de bombe de boost d'ailleurs, paf, ciao la quête, au revoir. Salut mon pote. C'est ça. Allez, salut mon pote. Après. Bon ben, j'ai mis dans Abominable, j'imagine que vous, ça doit être pareil. Ouais, non, moi, ah putain. Pour ceux qui regardent mon. Parce que là, il est en train de virer tous les. Là, je suis juste en train de virer absolument tout, et je les mets dans Nyxzobi parce qu'ils sont inutiles, les petits mobs. Donc, d'accord, okay. Donc voilà. Ben, moi, pour le prochain, là, j'ai l'Ouragan Roi Cristal. Ouais, j'ai Ouragan Roi Cristal aussi. Alors, je mets dans Oublia. Ah, je mets dans Oublia parce que c'est la variante la plus OZEF de tout. Alors, c'est effectivement la variante la plus OZEF, mais j'aimerais dire quelque chose. L'ulti en ex, il est horrible. Donc, je le mets dans Nyxzobi. C'est tout. Ça me va. C'est quoi l'ulti? Attends, c'est quoi l'ulti? L'ulti, il balance 3 rochers et il fait des gros Genki Dama. Des quoi? Non, mais Je peux pas le montrer là, mais ouais. Je regarderai après. Je regarderai après. Je regarderai parce que vraiment son ulti il est chiant et surtout la zone. Pardon. La zone qu'il fait quand il fait ses nuages de fumée, elle est doublée déjà pour commencer. Ah oui, les nuages chiants d'or, oui. Exactement. C'est chiant de malade. Et ben moi je vais mettre en oublié parce que j'ai pas fait la version X. Ah là, ouais. Alors là, affective, je suis désolé. Là c'est le cœur qui parle. Là. Entre Zidane et Sacré Bonheur. Écoute, bah là c'est mon cœur qui va parler. Rayleon Stonk. Ah ouais, quoi? Il est. Putain, il est inutile. Il est inutile et nul à chier. C'est tout. Mec, c'est le premier monstre qu'on voit dans 4 rues. Il ne vaut pas le Jen Moran, je suis désolé. Et ni le sacré d'ailleurs. Moi perso, je l'aurais mis au moins dans This is Fine parce que j'ai adoré comment ils nous l'ont introduit la première fois dans 4 rues. Parce qu'on le tombe direct dessus alors qu'on vient à peine de découvrir la vie. Oui. Moi je trouve juste pour ça, il mériterait au moins sa place dans This is Fine. Il va dans Unstonk, il va pas plus haut, il va dans Unstonk mais pas plus. C'est ok, non, je veux bien comprendre par rapport, mieux, par rapport mais à... Je trouve que le Darren est quand même cool. Le Darren est sympa. Franchement, je mets le Darren et le Tien à peu près au même niveau. Après, le Tien, non, ça crée ça, c'est autre chose, on en parlera après. Je le mettrais plus haut, hein, très clairement. Ah, je le mettrais bien plus. Moi, je mets dans le... L'Armitor Daimo. Le Mr. Crab. Ouais. This is Fine, moi, je l'aime bien. Il est sympa. Après, c'est vrai qu'il te met cher quand t'apparaît parce... dans 4 rues. Il te met très cher. Il est chiant dans 4 rues. Je le mets dans This is Fine, ouais. Je pense que c'est une meilleure idée. Moi, je vais mettre en correct l'Ermitor Daimo. Alors là, par contre... Ah, du gros niveau, là. Allez-y, je vous laisse parler le temps que je fais tout ça. Alors, c'est peut-être... Le Platon et le Delamadur.
Alors, je alors, dis, oui, c'est l'affect qui parle. Juste pour moi, lui, il est Jésus. Ok, ok. J'ai pas tant d'affection pour ça, pour le Dalamadur, mais son combat est vraiment sympa en fait. Il a vraiment une originalité. Avec 4 rues, les cinématiques à plusieurs. Quel plaisir. Ouais, oui, punaise, oui, quel plaisir. Oh là, oh, c'était bien les cinématiques à plusieurs et tout là. Mais le Dalamadur, je mets dans. Je mettrais dans bon. Je mettrais pas plus haut parce qu'après, il y a le chat Dalamadur que je préfère quand même. Bon, allez, si je retire l'affect, mais au moins, moi, c'est ça qui est le bonheur minimum. Hein. Ça va dans Ditch is Fine parce que je suis d'accord avec Pyro et personnellement, le Dalamadur, je l'ai pas affronté tant de fois que ça. Personnellement, son combat m'a pas trop marqué. Je l'ai tellement pas fait. Wow. Pas autant. J'ai beaucoup fait. J'ai pas mal fait aussi, mais j'ai plus fait le chat pour le coup. Le Dalamadur chat, il est encore plus insane, ouais. Ah putain. Ah la salope. Très gentil ça. Bah pour le prochain. Ah oui, je le vois. Alors lui là, c'est une petite salope. Pourtant je vais le mettre dans Reynolds donc. Voilà. Je le mettrai pas alors, dans Nyxobi parce qu'il est quand même simple. Alors je vais m'attirer les foudres de beaucoup parce que je connais beaucoup de personnes qui aiment le Yangaruga Humor, mais en fait son Inky où il fonce là, je le trouve mais tellement aléatoire, tellement horrible. Alors, en fait. Ouais, non, il est pas si en fait, c'est pas aléatoire, c'est juste il focus une personne et même si t'es derrière lui, il va tourner. En fait, il va tourner comme le ferait, je sais pas, genre un bateau qui est à pleine vitesse sur la mer et qui va commencer à tourner, tu vois. Ouais, mais comme s'il aurait mis l'encre, enfin, je sais pas, il aurait jeté l'encre en même temps de tourner, quoi. C'est Nawak. Ouais. Oui, non, mais oui. Bah, oui. Je dis pas ça parce que j'ai joué à Sea of Thieves il y a 2 heures, mais tranquille. Le nul. Là, pour moi, il va non. Bon, je fais juste une pause. On fait juste une pause 2 secondes sur le stream et tout. Je vais faire un truc. Je reviens. Okay. Et puis voilà, je vous laisse avec ces messieurs. D'accord, ok. Nadia, on fait des blagues ou on parle de cul on fait quoi? Non, je pense qu'à la limite, je vais juste les laisser avec. Comment dire? Excuse-moi. Oh ouais, putain. Parce que je suis en train de tourner aussi, hein, faut le dire. Il va falloir faire une coupure. Ah merde. Ouais. Donc je reviens tout de suite. Mais au pire, tu fais du montage et puis voilà. Ouais. Ça, vous voyez, messieurs, dames, ça c'est une grosse salope, vous voyez? Hop. Ça, c'est ce qu'on appelle le manque de professionnalisme. Non, pas le manque de professionnalisme. Moi, je suis très professionnel sur ma chaîne YouTube. Tu vois, je regarde mes stats tous les jours. J'essaye de calculer mon argent tous les jours. Qui est inférieur à 0,0 d'ailleurs. Mais bon, voilà quoi. J'essaye de faire mon max quoi. Pour garder ma passion de youtubeur, on va dire quoi. Et l'argent qui va avec, évidemment. Non, je gagne pas d'argent pour mes vidéos YouTube. Arrêtez de me jeter pierre, s'il vous plaît. Gagne plein de fric dans votre dos. Non, je gagne aucun fric, je vous jure. Déjà que j'ai du mal à faire un don chez CDC parce que ma carte bleue était étrangère, alors je vous dis pas pour RF quoi. Il y a une si grande différence que ça à chaque fois. De quoi? Et la différence est si grande que ça. En termes de quoi? En termes d'argent? Non, je veux dire, les cartes, le fait qu'elles soient étrangères et tout. Bah en, oh, fait, ça change tout parce que la localisation, je suis placé en France, quoi. Alors, est-ce qu'on se fait le Celtas du désert? Je trouve que Celtas et Reine Celtas, on devrait les combiner un peu. On va les mettre ensemble parce que, bon, il y a quand même une logique. Oui, il y a une logique, vrai. Les deux sont tout le temps fourrés ensemble. Je suis plutôt d'accord, ouais. On va dire ça. Là, pour le coup, bon, les versions désert, je vais être très honnête. Elles apportent pas grand chose. Pour le fait que la reine Celtas peut jeter le mal et peut aussi le dévorer, très franchement, moi j'y mets Alors je vais faire quelque chose dans le. Allez, continue à parler, allez-y. Ah non. Ouais, je vais mettre en bon en fait. Moi personnellement, je le mets dans Rayleigh Unstong parce que vraiment, je m'en bats vraiment les couilles de ce mob, c'est incroyable.
D'accord, bon, tu fais comme tu veux. Hein. Je l'aime bien, mais la désert, rien à foutre. Hein. Voilà, donc dans le chat, je vous ai mis le lien de la tier list, donc vous pouvez la faire de votre côté si vous avez envie. Si à la limite vous êtes plus rapide que nous pour faire une tier list, je la montrerai en fin de live, sinon bah voilà. Ouais, mais nous on débat, on parlemente à côté, donc ça va, c'est pas trop mal quoi. On en arrive à un bon là. Pas pour tout le monde, mais bon, on va en parler un peu, ouais. Alors, le David Joe. Ça a été peut-être ma première terreur avec le Rajang. Il a commencé à baisser et je trouve dans le World, il est un peu useless. Dans World, il est inutile. C'était pourtant la première mise à jour gratuite. Ouais. Ouais, mais je trouve que dès que t'as le carnage, en fait, le normal, il passe tellement à la trappe. Ah bah oui, non, mais très clairement. Tu ressentais un peu dans 4 rues, mais tu le ressentais pas autant. Là, tu le ressens mort. Ouais, il y a le carnage. Ouais, il y a le carnage dans... Il y a le carnage dans la tier list. D'accord. Ouais, il y a le carnage dans la tier list, ouais. Le carnage, tu le mets... Bon, moi... Savage. Ouais, Savage, ça doit être dans S. On parle du normal. Là, on parle du normal. Je le mets dans This Is Fine. Voilà. En soi, voilà, j'en ai pas un mauvais souvenir, mais bon, il s'est fait un peu doubler maintenant, hein, le dévil. Ouais, il s'est fait clairement doubler. Hein. Voilà. Le Diablo. Pas le dévil. Je vois pas le Diablo Carnage, mais bon. Le Diablo, je dirais comme la noire, This Is Fine. Moi, je mets dans correct. Je trouve moins bien que le Basel, perso. Non, franchement, Diablos. Diablos, si tu me fous pas en Jésus, là, on va pas être potes. De qui, de quoi ? Prochain. C'est qui le prochain ? Oh putain ! Le prochain. J'avais pas vu lui ! Alors là ! Alors, Dirmiralis. Dirmiralis. Ah, ils ont dû faire un icône exprès, je pense. Le Dirmiralis, je trouve. Ouais, il est sympa, mais en fait, il est très répétitif comme combat. Oh, moi, c'est toujours un combat que j'adore refaire. Ça, quel plaisir. Je sais pas. Mais non, clairement. Voilà. J'aime bien le design du monstre. J'aime beaucoup Dirmiralis, le design. Les armes, ce que ça peut donner. Le lore, la grande épée en Dirmiralis, elle est tellement belle. Le combat semi-terrestre, semi-marin. Alors, bon, déjà, j'ai refait une case exprès pour mes monstres à moi préférés. Donc, je vais mettre le Baryot. Là, actuellement, je suis en train de mettre mes monstres préférés dans cette case. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que ceux qui sont en dessous. C'est simplement que pour moi, ce sont vraiment les monstres que j'adore. Voilà. D'accord. Donc, je vais faire ça. Voilà. Tac. Pour le moment, ce sont les deux seuls. Voilà. Le Dirmiralis, pour moi, va dans ça qu'est le bonheur. Malgré qu'il soit. Le Dirmiralis, c'est incroyable. Ça, y a pas de problème, etc. Mais c'est parce que 3U, ça a été tellement... Enfin, 3U et 4U, c'est mes deux gènes préférés. Donc. Ouais, je pense sincèrement que cette génération est super cool. Et de toute façon, 3U et 4U, c'était vraiment les deux gènes incroyables. Oh, attendez. Je vois le prochain, là. Je pense que... J'ai pas encore classé. Vas-y, classe-le. Je vais mettre dans bon dire, Mirif. Oh putain, Yugong, ferme ta gueule, s'il te plaît. Alors, Yugong, tu vas hurler. Non, Yugong, tu fermes ta gueule et puis je vais décider, là. Je pense... Personnellement, je le trouve inutile. Bon, allez, hop. Ça va râler, hein, mais je le dis direct, je le trouve inutile. Je ne parlerai pas. Vous faites simplement ce que vous voulez dans le chat, tu fais ce que tu veux dans le chat, alors, mais je pense que je suis à vu ce qui s'est passé. Alors je ne vois pas le chat, donc. Mais le dodo, je mettrais dans oubliable, pas inutile non plus, mais oubliable au moins parce que voilà. Oubliable, je trouve aussi. Il est oubliable, oui. Jeune Flo, je te retire de la
Mais j'ai vu l'unfollow. Non, mais écoute, c'est mon avis. Maintenant, ce n'est pas le tien. Hein. Je fais ce que je veux, c'est ma tier list. Moi, je l'aurais plus mis dans Unstomp ou Rail Unstomp. Mais après, je mets dans Oubliable, mais je salue quand même l'effort de Capcom d'avoir fait un petit, ouais, enfin, un monstre plutôt faible avec l'élément poisson. Là, il n'y a pas plus. Il n'y a pas à dire, c'est ingénieux et puis même c'est réussi. T'es pas obligé de le mettre à... Non, mais je le mets là parce que bah, genre, je l'ai affronté quelques fois, c'est vrai qu'il est cool, mais sinon, ouais, enfin, je sais pas, j'ai pas retenu ce mob en fait. Alors, en fait, vraiment, en fait, le truc, ouais, c'est ouais, les monstres que je mets dans Nyx the Bee, c'est que vraiment ces monstres m'ont cassé les couilles, vraiment, mais saoulé de ouf. On comprend. Voilà. Et Rally Unsung, c'est vraiment les monstres oubliables, etc., que j'ai oublié. Le prochain, c'est Rathalos Froid Enfer. Oh là 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 là. Alors, honnêtement, on a eu pas grand chose à foutre. Je suis pareil. En fait, le Rathalos Froid Enfer, je le trouve beaucoup moins. Enfin, là, on a le suivant aussi. Mais le Rathalos Froid Enfer, je le trouve. Pas si ouf que ça par rapport à la prochaine variante. Ça va, c'est pas pire que le Rathalos Azur, mais je le trouve pas spécialement dingue. Il est meilleur que le Rathalos Azur. Mais... Le Rathalos Froid Enfer, je vais le mettre dans ça, quel bonheur. Ah, ah ouais, d'accord. Pourquoi? On va peut-être me crier dessus, mais en fait... Personnellement, il y a certaines déviantes que j'adore plus que d'autres, ça c'est sûr. Mais le rat 3 enfer, bah, de un, en fait partie. Et deuxièmement, c'est vraiment la déviante qui m'a posé le plus de problèmes, mais avec lequel j'ai farmé ce mob, mais tellement de fois sur Gen. Et sur Genu. Et ça m'a permis de l'apprécier. Maintenant, c'est vrai qu'il est chiant. Mais je le mets là parce que le rat, quoi. Genre le rat, c'est un petit. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu dans mon cœur et tout. Donc voilà, personnellement je le mets là. D'accord. Bon. La reine poison. La reine poison, elle est pour moi meilleure que le Rathalos roi enfer. Ouais, perso non. Perso elle va. Ouais, Unstonk. J'allais dire la même chose. Elle va en Unstonk. Pour moi, niveau d'Irmiraïf. Voilà. Oh là, par contre. Quoi? Alors en fait la Rathalos rend enfin reine poison, je m'attendais à un truc vraiment difficile et tout mal équilibré, sachant que j'avais eu pas beaucoup d'affect en fait pour la Rathalos, mais en fait bizarrement la Rathalos reine poison, je sais pas pourquoi, mais ça a été un peu le coup de foudre niveau exotique, donc du coup j'ai mis dans bon niveau Agnactor, niveau Astalos, niveau Basel, enfin voilà. Ah, alors là on arrive à une fameuse variante. Ah oui. Oubliable. Ah carrément. Je le vois trop peu de fois. Je le vois trop peu de fois. Très clairement, le Brise Rock, j'en ai pas grand chose à carrer. Voilà, donc personnellement, je m'en bats les couilles. J'aime beaucoup ce monstre pour une attaque. Son ulti. Oui. Attends, ulti German Suplex. C'était pas lui auquel je pensais. Moi, je pensais à quand il se charge pour faire un énorme saut. Et puis, quand il saute et quand il. Ok, ouais. Ouais. J'adore cette attaque. Elle m'avait surprise à l'époque. Mais. Elle est énorme. Je vais en mettre un dans. Ouais, j'étais en train d'y réfléchir aussi sur le truc. Ouais, moi aussi, je le vois depuis tout à l'heure. Mais... Non, le mob pour le truc. Sac à pépé. Je mets niveau roi en fer. Ouais. Helicobi. Ah, le Churambe. Le Churamboros. Le Churamboros. Hein. J'ai retenu ce mob que pour ces deux trucs. C'est un gros sac à PV et fait l'hélicobite. Voilà. Alors, je le mets dans une stonk. Duram, j'ai un peu de mal. Ouais, non, mais il m'a pas spécialement marqué. Pas marqué, enfin malgré que ça soit la quête où on découvre le second Chakalaka, c'est-à-dire bah, Kayamba, mais... Dans 3U, dans la foire inondée, ouais. 3U, exactement, ouais, mais trop peu... trop inutile, quoi. La quête était dure, quand même, aussi. Quête était dure, ouais. Vraiment, il y avait une différence de niveau qui était pas négligeable. Là où ça commençait à faire une transition sur les gros mobs dangereux... C'est ça, exactement. Et c'est ça qui était chiant.
Oui. Bon. Moi, je vais le mettre dans mai. Le Jamboros, je mets dans mai parce que voilà quoi. Ah, ok, ok. Et puis même, moi, j'ai découvert sur Sword le Jamboros. Oui, toi, tu l'as découvert sur Sword. Moi, je l'ai découvert sur 3U, moi. 3U. Je mets dans mai parce que, ouais, en fait, je trouve que c'est un régal. Je trouve que c'est un régal d'affronter un Jamboros avec le thème des prix brumeux derrière, en fait. C'est vraiment ça, oui. En fait, qui fait la différence. Après, ça, c'est la map, donc... Oui, mais il passe pas mieux, pas, en fait, dans les prix brumeux. Ça doit pas compter... Voilà, la map où tu l'affrontes ne doit théoriquement pas compter parce que c'est le monstre en question. Voilà, oui, c'est le monstre en question, avec mais... une zone particulière, comme ce qui va venir dans les prochains, d'accord. Oui, voilà. Ouais, mais vous avez pas la même vision des choses que moi, parce que moi j'ai affronté pour la première fois dans les pics brumeux de Third. Vous l'avez affronté dans les forêts. Dans la forêt inondée. C'était clair, ouais. c'était nul à chier. La forêt inondée, voilà. Son combat était nul. Je dis pas que la zone est nulle, hein. Pas du tout, au contraire. Je la trouve très cool. La zone, mais, ça va, mais bon. La zone est sympathique. Alors, le Ebony Odogaron ou Odogaron désastre. Et ouais, désastre. Comme l'indique, c'est un désastre. Non, je rigole. This is fine pour moi. Je le trouvais vraiment cool, mais après, par contre, jamais vu en fight. Enfin, en fight, il est cool, mais il est très chiant. Il est vivant. Ah, c'est un Odogaron. C'est un Odogaron. C'est vraiment pire. Encore pire que l'Odogaron au niveau vivant. Ah ouais, c'est pour. En plus, il a une attaque, c'est pas son ulti, mais... C'est pas son attaque triangle attaque à... Non, c'est celle où il se met à faire une pirouette sautée, et puis après, il te fait une grosse charge avec. Ah, elle est simple, celle-là. Elle est simple à éviter, non? Non, ouais, mais en général, si t'as pas coupé la queue avant, la hitbox de la queue, des fois, elle te baise. Avec. Ah, jamais fait baiser, perso. Après, je sais pas si tu le jouais à distance ou pas, mais... Ah non, voilà, toujours double lame pour moi. C'est comme le Sinogre, il y a un angle mort. Il y a un angle mort sur lequel tu te mets, et du coup, tu prends que dalle, ouais. Mais en fait, tu te mets derrière, en fait. Tu te mets derrière sa bouche pour éviter. Mais bref. Bon, le prochain, alors... On est 2 sur 3, je pense, à être d'accord, mais le troisième, il va nous râler dessus parce qu'il va pas aimer ce qu'on va en faire. Le givre ancien. Moi, j'aime moins que le Gamoth, mais bon, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, merci, Nixus. Non, mais no problem, franchement... Dites-moi tout, parce que je vois pas, en fait, alors, streamer. Moi, je l'ai mis dans Nix sa mère. Je l'ai mis dans Nix. C'est le plus OZEF des 4 condamnés, et bon, bah, il y a même Yugong qui est d'accord avec moi, pareil. Oui, il y a Yugong et tout, franchement. Non, mais c'est pas... Non mais t'arriveras pas à nous convaincre, on a déjà eu ouais, non, j'essaye de me convaincre moi, j'essaye de dire, j'essaye d'être équitable depuis le début avec tous les monstres, donc les gars s'il vous plaît, respectez. T'as un putain de monstre bubule, t'as un putain de monstre taser électrique, t'as un putain de monstre qui chauffe sa blade, et t'as un putain de mammouth qui est gigalant du cul là, qui reste sur place. Exactement. Trois plombs là, il se passe quasiment rien. Ah non, ouais. Le plus de cette vidéo. Il est fou d'OZEF. Hein. Ouais. Le Gamoth givre ancien, je mets dans oubliable. Seulement givre ancien. Ah non, moi les deux, ça sera ça. Eh ben, pas pour moi, pas le deuxième. Kongala Emeraude. Alors attends, le fait que c'est un mammouth géant, je le mettrais en Radiant Stonk, mais clairement, comparé à ses confrères condamnés, il est OZEF. Oui, complètement. Ouais, non, mais si je veux voir. Chacun les ses goûts, chacun ses goûts. Chacun ses goûts, chacun ses goûts. Kongalale Emeraude. Saint-Chipette 2.0, allez hop. Moi je mets dans Abominable. Abominable. Je le mets dans Rally Unstonk. Ah ouais, non, mais oubliable. Useless as fuck. Ben, en fait, il est pas oubliable parce que j'ai passé un moment horrible. Quand j'ai affronté. Encore plus sur 4 rues d'ailleurs. Cette passion-là qui bouffe son champignon et qui avait une chance de d'avoir un effet style lancer des... Lancer du feu, ouais. Donc lance-flamme, para, etc. C'était vachement chiant, enfin, je trouve. Ben, c'était original d'avoir un monstre qui manipule toutes les affections. Mais, oui, mais ça reste relou. Oui, c'est pourri. C'est pourri. Fatalis. Je mets dans... Alors, s'il y avait une case surcotée, je le mettrais, mais bon... Alors les gars, est-ce que je peux dire un truc? Est-ce que je peux commencer pour Fatalis? Vas-y. C'est peut-être le boss final de Monster Hunter, du premier du nom, mais honnêtement,
pour moi, il va dans Oubliable. Il va à partir du moment. Il va dans Oubliable. Moi, il va dans. Leur premier prototype de dragon ancien. Du coup, bah voilà, ils ont fait voulu faire un gros dragon noir méchant, mais bon, en vrai. Mais après, ils ont en fait plein de dragons, mais avec des pouvoirs de ouf, de dingue. Quand tu compares ça avec. C'est ça, en fait, quand tu le compares aux autres Fata, il est nul à chier. Il sert à rien. C'est ça, c'est à partir du moment où il y a eu les autres Fata, le Fataïsme noir, c'est devenu rien, en fait. Il y a Yubon qui fait un câble dans le chat. Oui, non, mais. Non, mais. Alors, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, c'est. Il est oubliable par rapport aux autres. Il est oubliable parce qu'il a pas des coups incroyables, quoi. C'est tout. Alors, est-ce qu'on peut juste faire une exception pour les petits monstres, les félines? Vous les mettez où, vous? C'est pas les félines, ça, c'est Grimaldi. Ah oui, les félines. Non. Parce qu'en fait, je pense que les félines, c'est les monstres qu'il y a depuis le premier MH et qui sont un petit peu bien plus présents que tous les autres petits monstres des autres jeux. Tu comptes pas les Aptonauts. Non mais, je parle en termes d'utilité. Les Aptonauts, ça sert à rien. Voilà. On va parler Palico et Camarade Féline. Ah bah ça a changé la vie, hein, clairement. Ouais, je pense que ça a changé la vie. Personnellement, rien à faire. Perso, moi, ça me sert simplement de bouclier, en fait, de bouclier. Non, mais lui, il s'en sert comme un appât. Mais non, moi, perso, j'adorais le fait d'avoir un Féline avec nous, que ce soit sur Unite ou... Par exemple, aussi, quand t'avais les activités à côté où t'envoyais tes chats faire des trucs, ou alors quand tu t'envoyais à l'entraînement et tout. C'est ça, je sais pas, genre, j'aimais bien le gacha. J'aimais bien le gacha dans le jeu, c'était drôle. Ouais, non, mais voilà, moi, je trouvais ça génial, les activités en dehors de la chasse que tu pouvais faire avec ton Féline et tout. Ouais, si. Rien à faire. Ouais, alors le prochain, le Frozen Barriot. Frozen Barriot, ouais, on peut pas juger, les gars. On peut pas juger. Qu'il sorte, mais moi je m'en bats les couilles de pas juger ou non. Il va là. Non, là pour le moment, on va dire, on peut donner un premier avis, mais ça sera uniquement sur le design. Mais pour moi, ça c'est juste un Barriot avec les pouvoirs du Légiana Blizzard. C'est tout. Donc pour moi, c'est pas autant il est beau, autant il a de la gueule, autant il va pas être. Rien à faire du Frozen Barriot, moi je le mets en dernier, dans la liste parce que je le placerai pas de toute manière. J'ai jamais affronté de monstre. Alors je le monte sur le chat, voilà tout ce qu'on a encore à placer. Il est 15h40. Ouais. Putain de merde. Ça fait une heure et demie qu'on serait. Tu veux qu'on speed un peu? Non. Un peu. Gros morceau. Ça, quel plaisir. Je suis désolé. Le tonnerre. Le tonnerre, il est... tonnerre, juste pour quand il est transformé et tout. Je vous suis, messieurs, là-dessus. Je vais mettre en bon. Ah, ouais, je sais pas. Alors, nique sa mère. Dégage. Gamoth, ça, c'est... Nique sa mère. Moi, je... Alors... Nique sa mère. Moi je mets niveau Andreas Toner, niveau bon, allez hop. Ouais, bon, là, par contre, les drômes, ça on peut se le dire clairement, hein, oubliable. Les drômes sont tous oubliables. Ok, ensuite. Sauf le Yoprem, mais on en... Alors Giginox normal. Giginox normal. Moins chiant que le foudre et au final c'était une variante un peu du... Enfin c'était une espèce de différence du Keizu un peu sympathique. Je suis prêt à l'accepter même si c'est vraiment un mob que c'est soit ça va dans This is Fine ou alors c'est dans Unstonk. Unstonk ou This is Fine pareil, ouais. Mais ou abominable pour moi. Si tu sais pas gérer le poison aussi, hein. non, mais oh, c'est pas une question de pas savoir virer le poison. C'est simplement, c'était un cumul en fait. Là, je suis désolé, mais quand je l'ai affronté sur Third, c'était une calamité. J'ai jamais autant, enfin, peut-être si j'ai galéré autant sur un autre mob dont je parlerai plus tard, mais Ginox, honnêtement, voilà quoi. J'ai vraiment pas passé un bon moment face à lui, je mets dans Abominable. Ok. Agniactor glacial. Je le place au-dessus de l'Agniactor. Moi perso, il est en This is Fine. Il est vachement plus simple et plus cool, agréable à affronter que.
Bah en fait, il a pas la plaque sur le torse, en fait. C'est tout. Ouais, et puis même si tu joues du feu, en vrai, c'est bon, t'es tranquille, t'as pas trop besoin de t'en faire avec son durcissement. Moi, ouais. Je sais pas, non, j'ai plus, pas trop d'avis sur lui. Grave cool, je trouve cool. Ouais, ouais, bah, il a raison, Coma. Mais je le mets un tout petit peu au-dessus, parce que moi, il m'a cassé les couilles. C'est un moi, je le mets dans mai. Je le mets dans mai. C'est un monstre que je trouve à chier. Très clairement. Ouais. Donc voilà. Alors lui, le glave. Le glave. Le glave, alors aucun de nous pense ça, mais je pense, si on veut être un peu objectif, c'est le meilleur des condamnés. Oui, complètement. Je suis pas d'accord. C'est pas, pour moi, c'est pas le meilleur. Oui, limite, mais. Si je voulais vraiment être objectif, je dirais le deuxième, mais je dirais pas le premier. Pour moi, il est ex-aequo avec un autre. Mais j'ai avec Astalos. C'est une idée de l'autre aussi auquel tu penses. Ah, ouais. Du coup, oui, forcément. Ouais. Donc, le glaive, pour moi, il va dans. Tiers ok, donc this is fine, tranquille. Très, très chill, très tranquille. Ah ouais. Finalement, c'est qui le plus con dans l'histoire? Bon, le glaive à fixe, alors le glaive, je mets dans les très bons. Je le mets dans les très bons. C'est parce que je viens de voir le prochain. Excellent. Oui. Ok, alors lui, abominable direct, je suis désolé, au revoir. En vrai, moi je l'adorais de ouf. Alors, moi le gobu, je vais mettre dans ça, quel plaisir, pour une seule et unique raison. C'est pour me faire chier. Pour me faire chier. Voilà. Non, pas du tout, à cause de Ceratos. Merci à tous. De toute façon, si vous avez pas la rêve, c'est tant pis pour vous. Oui, je me souviens de sa vidéo. Oui, la chanson. La chanson, oui. La chanson. La chanson de Ceratos, oui. C'était Sous l'océan, c'est le Gobu. Voilà, c'est ça. C'est une parodie de Sous l'océan de Sébastien, me semble, de la petite sirène. Enfin, Ariel. Mais sur le coup, moi, ça m'avait tapé une barre et bon, bah, pour moi, le gobu, il est remonté dans mon estime juste avec ça, quoi. Voilà, donc je m'en fous. Peu importe ce qu'on me dit, pour moi, il est là. Pour moi, il va dans Abominable parce que très clairement, c'est le monstre sur lequel j'ai plus. J'en ai chié à mort sur le. C'est le Gogma. Il s'agit du Gogma. Le Gogma. Alors, le Gogma, il va dans This is Fine. Pour moi, le Gogma, il est dans ça quel plaisir, mais je sais que beaucoup sont pas d'accord parce que beaucoup le trouvaient aux F. Moi, je l'ai vraiment apprécié. J'hésite entre bon et très bon, en fait, pour le Gogma. Moi, je l'ai mis dans bon. C'est un fan que j'adore faire, en plus, surtout dans la zone en question. Donc. Alors, personnellement, moi, c'est pas que j'appréciais le faire, c'est que je trouve qu'il avait, en fait, il avait un bon background, en fait. Je trouve Ils l'ont bien dissimulé, je trouve. Ils l'ont bien... Ouais, franchement, il était caché de malade. Genre, on n'aurait jamais pensé à ça à la fin. Ouais. Mais moi, je pense que son background a quelque chose à voir sur le fait que je le mette dans This is Fine. Parce qu'en gros, c'est un dragon ancien qui a déjà attaqué la forteresse, qui s'est fait empaler une fois, mais qui a récupéré un dragonnetor. Je sais pas, je trouve que son background est super classe. Ouais, je trouve son background super cool, et surtout qu'on puisse utiliser le Dragonator, même s'il est cassé, utilise deux Dragonator sur lui. C'est débile à fuck, c'est complètement débile, parce que le machin date de 100 ans, donc... Il date d'il y a je sais pas combien... C'est le premier Dragonator de l'histoire de la guilde, d'ailleurs. Ouh là 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 là, le prochain... Oh là là, alors lui, je l'adore. Je l'adore. Lui, il va là, hein. Lui, il va vraiment dans ça, quel bonheur. Le Goldbeard Sidious. Ah oui, non, mais quel bonheur, pareil. Hein. Il va dans les très bons. Il va dans le niveau CA2, parce que très clairement, il est génial. Hein. Et son armure, mec. Aïe, 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 elle était tellement belle. Anubis, trop stylé. Incroyable. Non, c'est pas Anubis qui s'appelle l'armure, c'est Heliozed. Non, même pas, c'est juste qu'en fait, c'est Helios, mais c'est une représentation d'Anubis. Ah oui, Anubis, comme
comme le Phaedos normal, tu me diras. Oui, mais je pense que celui-là représentait bien plus parce que bah, il est noir. Oui, il est noir et jaune, c'est vrai. Mais les couleurs, oh là là là, les couleurs mais de Fermure, j'adore. Les couleurs, le noir doré, etc. Mm. Ouais, ouais, ça va tellement bien. Bon, tant qu'ils nous mettent pas un Sidious version léopard là au secours, mais tranquille. Avec un truc léopard dégueulasse. Prochain, aïe. Alors, Ratian Gold. Alors, je vais préciser un point par contre. Alors, il y a deux types de Ratian Goldé. Il y a celle de FU3U machin. Attendez. Il y a celle de World. Il y a celle de Iceborne. Attendez. Est-ce qu'on peut se limiter à celle d'Iceborne? Vu que c'est Non, mais attendez. Oui. Non, c'est moi qui dis une connerie. Je pensais qu'en fait le truc c'est qu'il n'y avait pas de rat argenté, mais en fait il est grave bas dans le classement. Oui, non, oui, c'est Silver. C'est F. Mais c'est juste que voilà. F comme Silver Rathaus, oui. Le Ratian Goldé et de toute façon le Rathaus argenté version Iceborne, ils sont infects. Ouais. Infects. Ah bon? Tu les trouves infects. Les versions Iceborne, elles sont infectes parce que la zone dans laquelle on les affronte, pareil, elle est infecte. Nous faire affronter dans la zone du Nergi, j'aurais préféré qu'ils nous fassent un remake de la tour ou au moins une zone seule, comme un peu la tour, ou etc. Ça aurait été nickel. Non. Celle de 3U, FU, 4U, etc., la Ratian Goldé et la Ratalos Argenté, ça allait, ils étaient cool, etc. Mais dans Iceborne, les deux sont infectes. Honnêtement, je trouve la Ratian d'or appréciable, mais sans plus. Hein, vraiment, j'ai pas un bon passif avec elle. Vraiment, c'est. Ouais, mais je t'en veux pas. Moi non plus, j'ai pas un bon passif. J'ai clairement pas un bon passif avec elle, et très clairement, ça reste l'un des mobs que j'aime pas affronter, hein, vraiment. Donc, c'est pour ça que j'y vais tout le temps au gun, pour essayer de la faire vite. Après, voilà. Je peux dire maintenant. Vas-y. La Ratian d'or, l'Agia, tu vas me gueuler dessus, mais bon, je la préfère dans Iceborne. T'es vraiment mazo. Hein. C'est pas que je suis mazo. C'est que déjà dans les anciens opus, en fait, je la trouvais très robotique. Elle faisait qu'avancer et tout. La Ratian d'Iceborne, elle offre un nouveau gameplay avec son feu infernal. Elle offre un nouveau gameplay avec... Attends, laisse-moi finir. Je t'ai laissé finir, tu me laisses finir. Honnêtement, je trouve que ça rajoute une dimension pour Ratian. Et comme Ratian d'or, je les mettrai à peu près en même temps. Et puis même, on voit vraiment un vrai ulti de la Ratian d'or, en fait. On sent la puissance de la lune, etc., etc., sur Iceborne. Moi, je la mets dans les bons. Je la mettrais pas dans les bons. Enfin, ça aurait été celle des anciens, je lui aurais mis une bonne note. C'est celle d'Iceborne, je lui mettrais une full mauvaise parce que c'est pas autant le nouveau mode là quand ils sont les deux rats sont chargés, ok, mais en fait, je trouve que le fait qu'ils nous ont foutu dans cette zone là, ça nique à mort le combat parce que quand c'est pas la rat qui vient nous casser les couilles, c'est la zone avec les pics, les stalactites à la con. Là. Quoi? Putain, tu parles dans l'intérêt des anciens. Moi, je pensais au fief. Gormagala, ça qui est bon air, même plus débat là. Gormagala, oui, non, mais là. Aucun débat possible, messieurs, dames. Aucun débat, je suis désolé, mais le Gormagala, ça va dans les excellents. Il fait partie des meilleurs monstres n'ayant été jamais fait dans la série. Clairement. Bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de débattre? les gars, Le Gravios, putain. Allez hop, ça dégage. Dans Abominable. Ça bouge, putain, saloperie. Qu'est-ce que je l'aime pas, il est horrible. Mais même sur FU, t'avais aucun indicateur, donc tu tapais pendant une demi-heure, t'avais aucun... qu'une information sur quoi que ce soit, tu voyais que tu brisais le torse, mais c'est tout en fait, et tu brisais le torse hyper tard. Le Gravius boitait, mais en fait je l'avais pas vu boiter la première fois que j'ai affronté, donc du coup je me suis dit en fait je tape et c'est tout quoi. Et parfois il me lance un nuage, c'était vraiment pas agréable comme fight parce que du coup tu savais pas quand tu tapais si c'était ouais c'est ça quoi. Ouais
Et le machin était tellement gros, en fait. C'est vrai, c'est impressionnant. Mais t'as pas de, t'as pas d'indicatif, alors, en fait. T'as vraiment les... pas d'info. Les 5-6 premiers, ça va être méga rapide. Hein. Ouais, ouais, ah, ouais, oui, ouais. Oui, alors, ouais. Alors, les 6 premiers. On va faire ça en one shot. Les 6, ça dégage. Nique ta mère. Les 6, ils sont oubliables. Hop. Sauf un. Sauf un, bien évidemment. Qui est le grand Jaggy qu'on va mettre dans Gauthier. Allez, hop. Non. Ouais, alors là, non. Je lui mettrais plutôt une case que j'appellerais Balkany. Voilà, Balkany. Balkany. Le grand Jagra pour avoir eu le plus grand des Jagra, moi je le mets dans mai. Je le mets pas dans oubliable. Bon, ouais, le, okay. Le prochain ça va être pareil aussi, ça va être très expéditif. Oh, ah, le grand Macao. Narga vert, ça va dans Unstonk. Non, ça va dans Unstonk. Moi pour moi il est full oubliable, il est full inutile. Pour moi, il n'y a que deux Nargas, si je compte pas la variante, et que deux Nargas. Hein. Je le mets dans le stomp parce que je l'ai beaucoup farmé dans 3U, donc je l'ai pas trop oublié non plus. Non, mais dans 3U, je l'ai skip parce que je trouvais le Narga normal en armure plus rentable. Moi, c'était pas pour son armure en plus, je crois que c'était pour un marteau et tout. Donc, ouais. Plaisir de vert. Narga vert, attends, je suis encore sur le Narga. Ah, Narga. Ouais. Narga vert encore, Narga Kuga Opal, moi je le mets dans... Ça a été une de mes premières fermures rangées après... Ouais, je le mets dans mai, Narga, parce que c'est un monstre que j'ai pas mal farmé sur Troy. Alors bon... Plésiote vert, allez, hop, abominable. Ta mère de bille, parce que rien pour la Hitbox, toi tu m'as cassé les couilles. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Et dans l'eau les gars. Ah oui, non, mais dans l'eau, dans l'autre zone, dans l'autre zone... Ah oui, oui, sur Refu, non, mais là, on n'en parle pas. Ouais, on est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors... T'attendais 10 minutes que le machin, il sorte. C'était clair, quand t'avais pas les grenouilles et quand t'avais pas moyen de le faire sortir, putain, t'avais trop le seum. Alors, le tigre et le griffon. Oubliable. Quoi? Ah ouais? Non, moi je l'ai plutôt aimé. Ouais, moi aussi. Moi j'ai complètement oublié en fait. J'ai pas beaucoup joué à Gen ou Janu, mais Tigrex Gripson, en fait j'en attendais pas mal. Mais au final, je me suis dit, ouais, le combat est plat, y a pas grand chose qui change avec un Tigrex normal en fait. Il fait juste des boules et puis il fait des séismes en fait, c'est tout quoi. Ouais, mais déjà, moi je trouve que c'est déjà un peu plus intéressant que le Berserk. Bah en fait moi je le mets au même niveau que le Berserk, enfin je mettrais le Berserk, je le mettrais un peu plus haut parce qu'il apportait un truc le T-Rex Griffondre en fait par rapport à 4U il a des mouvements que le T-Rex Berserk a qui sont vachement répétitifs en fait. Je sais pas. C'est du déjà vu en fait le Griffon. Le Griffon mais le T-Rex Berserk, je suis absolument pas d'accord. Le Berserk pour moi est trop. Bah, le Berserk est trop rapproché du T-Rex. Mais dire que le Griffon c'est la même chose que le Berserk, pas du tout. Alors là, c'est l'impression que j'ai eu. L'impression que j'ai eu. Non. Crois-moi, c'est clairement pas la même. Bon, le prochain. Aïe. Alors. Putain, Gypsyros. C'est même pas négociable pour moi. Je dirais pas qu'il est oubliable. Une négociation possible là. Et voilà, il est détestable. Alors, je mets dans mai parce qu'il y a le anémiste aussi qu'il faudra juger. Ah, le améthyste, putain. Ouais, l'améthyste. L'améthyste pour moi, je mettrais directement dans abominable. Mais non, ouais, le améthyste c'est direct cancer aussi. Hein, parce que. Ouais. Ouais, après, oh, ok, d'accord. Ça y a... Là, on a un très bon monstre après. Le Oled Glenmoran. Glenmoran sacré. Ouais. Le sacré de. Bon, alors. Le sacré de, je vais le mettre. Je te l'accorde, là, clairement. Le je sacré mets dans très sac bon. Le bonheur. Il va dans sac très bon. Le bonheur. Ouais. Le Hellblade Glavnus. La variante que j'ai plus fait. Enfin, pardon, l'exotique que j'ai plus fait. Ouais, aussi, je l'ai beaucoup farm. Moi aussi. Bah, en fait, on a beaucoup farm, mais pour une seule chose, pour la poudre. Oui,
La poudre de la qui poudre était. Quel mon vieux, hein, putain. Non, non, mais la poudre qui est incroyablement difficile à obtenir. Ah, d'accord. Moi, compliqué, hein, je pense, moi perso. T'avais un truc genre 15% de taux de drop dans un shiny. Ouais. Honnêtement, le Glavenus Acide, moi je le faisais, mais c'était pas pour mon bonheur, quoi. Enfin, pardon, pas le Acide, le Hellblade, moi je le mets dans correct. Le Hellblade, je vais le mettre dans. C'était plutôt un bon combat, mais après c'était pas spécialement. Dans ouais, This is Fine. Bah, il a sa double. Enfin, son double tranchoir enflammé qui est pas mal, mais c'est tout, quoi. Je pense que je vais mettre dans This is Fine. Pardon. Parce que sa version G nique ta mère. Genre, clairement. Ah oui, avec le coup de queue chargé, là. Putain. Non, y a pas les redeem sur mon chat. Ah. Vous pensiez que j'avais mis le bot, vous êtes fous. Après de la poudre de Kelby. T'as fait la poudre de Kelby, wesh. Ouais. Waouh. Alors là, on va toucher à quelque chose là. Alors. On va peut-être pas être d'accord, mais. Là, hop, voilà. Tu vas là, toi. T'es oubliable au possible. T'es même pas revenu. C'est pas qu'elle est oubliable, c'est qu'elle est détestable. Aussi. Elle est les deux en même temps. C'est les deux en même temps, cette merde. Ah ouais, non, mais je me souviens quand j'avais dû le faire sur FU. Oh, j'ai fait sur FU et je n'ai fait que la DLC et j'étais tout seul. Ouf. Je l'aime bien. J'aime bien l'hypnocatrice. Mets le cul de cul en Jésus ou t'es viré. Alors, honnêtement, l'hypnocatrice sur FU, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, je me mettrais donc dans Oubliable. Mais je l'ai refait dans Online. Je l'ai refait dans Online plusieurs années après. Et j'ai eu pas mal de souvenirs, et puis pas mal de bons souvenirs, on va dire, en fait. Moi, les seuls souvenirs que j'ai de l'hypnocratrice sont dans FU, et ils sont plutôt douloureux. Ouais, donc, non mais... Aïe. Bon, toi... Je mets dans mai, l'hypnocratrice. C'est un monstre que... C'est un peu un plaisir coupable, on va dire. Alors, le Yodrome. Le Yodrome, je suis désolé. Mais c'est dégage. Alors, il va pas dans Oublia, pour moi, il va direct dans Abominable. C'est un sac à PV sur 4 rues. C'est un sac à PV. Oui, c'est le sac à PV des drômes et il est chiant. Il sert à rien. Inutile au possible. Tout à fait. Là, j'ai cru s'y voir. Alors, là, je vais parler par expérience aussi, parce qu'il y a moitié mon pseudo. J'ai vu Lumix, t'inquiète pas, j'ai vu que tu me l'avais envoyé. En vrai, le ivoire, bon, c'est juste un léger crustéastre, hein, clairement. Oui, c'est un léger crustéastre, mais je l'apprécie beaucoup. Il y a quelques petites attaques qui sont assez sympathiques, quand même. Je l'aime bien, je l'apprécie bien. Je le mettrai dans CC Spine, parce que c'est quand même le moins ouf parmi les trois lagiens. Le moins ouf parmi les trois, je sais pas. Par rapport au normal et au abyssal. Yeah. Normal, au moins, il a la. J'avoue que je le mettrais dans This is Fine, je le mettrais pas dans ça, quel plaisir. Que Ouais, non, This is Fine, parce qu'il se fait quand même vachement violer. Je mets dans les corrects, le Asia Ivor. Ouais. Après, on a le Baryote de Jade. Enfin, Baryote de Jade, pardon. Barotte de Jade. Bien d'autre lieu, le Barotte de Jade, on attendait qu'il ouvre la zone secrète. Ouais, moi ouais. Et en fait, le Barotte de Jade, honnêtement, j'en garde un excellent souvenir parce que c'est. Pour moi, c'est une des meilleures sous-espèces qu'on a eu dans la série, je trouve. Alors, En vrai, il est pas spécialement ouf. Moi, c'est juste que je me souviens de toutes les fois où j'en chassais juste pour accéder à la zone secrète. Mais. Cette zone secrète que j'ai vue que deux fois. Hein. Ah non, ouais. Moi je la voyais tout le temps, justement j'en avais chassé plein de barres de jade juste pour ça. Ouais. En fait c'était pour récupérer les infecteurs rares que tu vois. Oui, très souvent. Les papilles 8, voilà, cherchez le nom. Ah oui, putain, les papilles 8. Ah, pour l'armure du seul argent, il en fallait au secours. C'est horrible. Ouais, il fallait des papilles 8, ouais. En tout cas, c'est vraiment un monstre que je trouve agréable à chasser, quoi. Il est vrai. Il est pas mauvais, quoi. Il est franchement. En plus, il est très beau. La couleur est très belle. C'est vrai. Ouais. Jeanne Morant. Bon, j'en avais parlé tout à l'heure. Je mets au niveau du Darren, perso. Pour moi, c'est à peu près la même chose, quoi.
Y a pas de... C'est quoi, bah, je vais mettre... Après, ouais. Je vais mettre Obstacle Plusieurs parce qu'il est bien, il est très bon. Ouais. Grand chose à dire. Bah en fait, c'est la même chose que... Ouais, c'est la même chose que le Darren, quoi. Alors lui, par contre, il est oubliable, hein. Ouais, mais le problème, c'est que je vois pas le live, attends. C'est Giratodus. C'est Diora, Diora. Ouais, Giratodus. Giratodus, ça se casse, hein. Hop. Ouais, c'est oubliable. Oubliable. Ah non, j'ai mis dans Abominable, faut que je mette en Oubliable, plutôt. Il est pas abominable, il est simple, mais il est oubliable, quoi. Hey, c'est quoi, ça? En fait, j'ai fermé une seule fois pour avoir des grandes gemmes de Wyvern, mais c'est tout, en fait. Après, ouais. On a le Keshawaka après. Keshawaka. Unstonk. Unstonk, ouais, parce qu'il est pas horrible, mais bon. Il est pas horrible, il est pas oubliable. C'est l'un des premiers mobs de 4 rues qui utilise la verticalité, donc pourquoi pas. Ben ouais. Moi perso, je le mets dans. Attends. Moi, je le mets dans les corrects. Moi, honnêtement, il est correct. C'est ouais. Il est sympa. Ah! Bon, alors, celui-là, ça va être bon. Rapide. Ouais, je pense aussi que ça va être très très simple. 1, 2, 3, Biba la Jelly. Hop là, fuite, allez. Ça dégage. Allez, Abominable. Hop là, dans Xobi. Alors, quand même. Abominable dans les deux sens du terme. Non, les gars. Je change mon avis. Je mets dans le mais parce que c'est le seul monstre pendant deux générations qui utilisait le plafond. Ah non, pendant une génération, du coup. Bon. Une génération parce qu'après, il y a eu Giginox. Ouais, oui. Non, Giginox, ça c'était la deuxième partie. Moi je pensais au Sénateur Shogun. Je pensais au Shogun. Le Sénateur Shogun. Ben je mets dans mai parce que voilà quoi, c'est une bonne idée d'utiliser le plafond à son avantage. Le roi Gajalaka. Le roi Shakalaka. Shakalaka. Cancer à son. Oui, bon. Il est horrible. Il est horrible, alors, il va dans il les est... abominables. Alors, il para, il fait mal, il est en rangée, et surtout il est dans une quête avec un Ratazur. Il est dans une quête d'arène aussi, où il y a beaucoup de Shakalaka à tuer, t'en as genre 20, et puis à la fin t'as le Shaka, enfin t'as le roi qui apparaît. Horrible, mais je le mets dans ça, quel plaisir. Parce que c'est le premier d'une tribu... Qu'on affronte, et je trouve ça incroyable en fait, d'affronter les Shakalaka, c'est trop drôle. Je suis désolé, mais je le veux là. Oh putain, le prochain. Oh, bah d'accord. Ah, au secours. Alors lui, bon bah là, c'est facile, hein. Abominable. Hein. Alors abominable. Là, ça va être très très simple, très franchement. Ouais. Abominable. Ouais. Traumatisé à vie dans World FU. World, il est horrible. HR 49 en Alpha. Ah oui, non, mais cette quête là, mais elle est tellement galère. Et pourtant, tu connais le Kirin, tu sais qu'un Kirin c'est chiant. Enfin, sur 4 il était pas trop chiant encore, mais sur World, c'est un cancer. Ouais. Le coup. Oh, il est trop cool, le bouchon. Alors moi, je vais le mettre dans ma case Jésus plus 1, parce qu'il a une quête event que je connais. Celle de Final Fantasy. Où il devient géant, voilà. Il est vraiment cool, le couloir. Il est drôle, sa mère, plus, mais... En plus de gagner en taille, il gagne aussi en dégâts, il fait de plus en plus mal. Ah ouais, il tape dur. Il tape très Ah ouais, très non, mais. Et son caillou là, putain. Enfin, ouais. C'est la grosse pierre. Le gros cristal là, ouais. Ouais. Ah, un monstre que j'aime beaucoup là. Celui-là, tu peux pas le chevaucher. Quoi? Tu peux pas le chevaucher. Ouais, tu peux pas le chevaucher, ouais. Alors là, par contre, j'adore ce monstre. Alors, la culte tarot, ça va dans ça, quel plaisir. Ouais, ça va dans excellent. Pour moi, ça va dans excellent. Pour deux choses, dont elle a plein de phases. Deuxièmement, son thème. Troisièmement, le fait que... Enfin, son background aussi est super cool. Quatrièmement, parce qu'elle a apporté le système des tracks. Des armes. Oui. Des tracks, oui, aussi. Des tracks et des armes aussi que tu peux choper en... avec elle. Je trouve ça cool. Alors, là... Il est vraiment sympa, ouais. Un mob que vous n'aimez pas. Personne ne...
Alors, je suis désolé, mais en fait, sur 4U, il était sympa, voilà, quoi. Moi, je l'aurais mis dans les corrects. Mais là, il était sensible au poison et que ça a enlevé la barrière de vent, et pareil avec la foudre machin et tout. Non, ça c'était bien. Mais la version World, elle est horrible. Elle est ratée de A à Z, en fait. C'est malheureux à dire parce que c'est un monstre emblématique, mais voilà, quand il est pas bien. Désolé pour tous ceux qui aiment le Kushala, hein. On n'a aucune haine envers vous, c'est simplement que voilà quoi. Si Ward l'avait pris autrement. Qu'il est un peu chiant, ouais. Alors, ce que j'aimais bien affronter Kushala, c'était d'ailleurs un des seuls monstres auxquels je prenais un set différent sur 4 quoi. Mais depuis World Iceborne, mais c'est tombé, je le fais plus. Hein. Ok, plus Lumix, bon Warframe. Le Lagiacrus, on va le mettre dans ça, quel plaisir. Carrément. Ouais, parce que moi, Lagia, c'est le premier monstre que j'ai vu de toute ma vie. Donc, moi, il m'a marqué. MH3, c'est mon premier jeu. Ouais, le premier monstre que je vois, c'est lui. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, moi, personnellement, c'est... Lagia sur MH3. Ouais, non, mais c'est mon bébou, c'est... Voilà, lui, il est dans le cœur, lui. Il n'y a que le cœur qui parle. Le Lagia, je l'ai mis dans correct parce que voilà quoi. C'est pas un monstre qui m'a beaucoup marqué, honnêtement. Bon, le prochain, ça sera le Trigré. Alors là, oubliable lui. Le Agombi. Hop. Ouais, l'Agombi, pour rien du tout. Et oubliable. Il... Alors. Lao Chan, je vais que parler du nouveau. Ouais, on va parler du nouveau. On va plutôt parler du nouveau. Ouais. Le nouveau Lao Chan, il est clairement génial. Oui. Mais il va pas dans ça quel plaisir. Il reste, il reste le même Lao Chan, un peu chiant à faire, mais moins chiant. Ben, ça a été mon tout premier gros monstre en fait. Donc personnellement, moi j'ai une petite estime personnelle de lui, mais honnêtement je le mettrais dans même classement que CA2 Barbe d'Or, Clan Mourant Sacré, oui, voilà. Et tout. Ouais, très bon, il va dans les très bons, il va pas dans l'excellent. Ouais. Ah, on en arrive au monstre préféré de Léo. Ouais. Le cancer, allez, ça dégage, ça va direct dans Nick the Bee. Pff, ouais, hop, ça dégage. Alors attendez, voilà. Laissez-moi réfléchir quand même un petit peu parce que. Le lave azur. Ouais, alors, le combat est plat, mais en fait il est simple, il est plat. Je déteste le lave azur, c'est le seul mode qui arrive à me tuer. Il n'y a rien dans le jeu qui prouve qu'il devait exister, quoi. Ça devait être Lagniactor à la place, ça devait être Lagniactor, c'est tout. Mais oui, il est nul, il sert à rien. Dire merde, au secours, pourquoi avoir mis lui dans World, c'est pas logique, c'est ouais, le seul ouais. Monstre des... Par contre, on s'en bat les couilles. Ils auraient dû mettre Lagniactor, hein, clairement. Oui, totalement. Mais envoie là un MP. En fait, c'était surtout pour économiser parce que niveau squelette, en vrai, déjà Gyariatodus, donc ouais, la même chose. Legiana, les gars. Legiana, hop, c'est fine. J'ai mis la chier, ça dégage. Inutile, possible, alors honnêtement, si on réfléchit deux secondes, c'est un petit peu monstre emblématique de World. Mais en fait, de World. Non, pas du tout. Alors là, clairement pas. C'est le premier. Attendez, écoutez-moi. C'est le premier monstre 5 étoiles qu'on affronte. Dans les autres opus, les monstres 5 étoiles étaient quel monstre? Le monstre emblématique, mais ça veut rien dire. Non, la vérité, ça veut rien dire du tout. Clairement pas. Ouais, non, c'est un monstre emblème. Oh, oui. Je mets dans mai. Je mets dans mai. Je suis désolé, le Gianna, il est inutile au possible. C'est l'un des monstres les plus oubliés de World. Voilà. Même avec sa sous-espèce, il sert à rien. Voilà. Le Echen, alors je le mets dans oubliable. Je mets dans oubliable le Echen.
Ah oui, non, c'est une léchette, putain, je suis con. J'ai dit c'était le Balazac. Une léchette. Bravo. Le léchette, il va dans Nick the Bee. Putain, hop là. J'ai mis dans Oubli Hop. Ensuite. Lui. Alors lui, gros niveau, les gars. On se calme. Lui, il part tout là-haut, lui. Hop. Il décolle. Il décolle, mais il est quand même vachement. Enfin. Vachement premier chiant. Combat, je me souviens. C'est le monstre où j'ai du caramel. Une armure avec antidote. J'ai fait son armure, c'est vrai. Tu me bouffes tous mes antidotes. Ouais, tous les antidotes et tout. J'ai vu entre très bon et excellent. Ah non, Jésus pour moi. Moi je l'ai mis dans ça, quel plaisir. Je le mettrais pas dans Jésus. Et franchement, j'aimerais tellement qu'il apparaisse dans Iceborne. Ouais. Allez, je mets dans excellent. Oh putain, là, alors pareil. Lui, non mais. Elle est abominable. La Lunastra. Tu parles de la version dans les Anciens Worlds. Alors, même la version dans les Anciens Opus, c'est un Théostra, c'est tout. C'est un Théostra, donc on va rien compter là-dessus. On va compter la nouvelle. La nouvelle voilà. Lunastra. Abominable. C'est le seul mot que je peux dire, connasse. C'est tout. Ah, aucun pute. Autre mot. Pute ou salope, on peut dire aussi. Il est horrible. Mais elle est. Chiant. C'est un spot, je suis d'accord. C'est horrible, on est d'accord. C'est horrible. Les malfestio des. Je le déteste. Supprimez. C'est vrai, moi je t'abute. Non, mais le festio perso, pas de problème. J'aime bien perso. Pour moi, il va dans DC Swine. Hein, le mob de gêne que je déteste par-dessus tout. Ah, personnellement, j'ai absolument aucun problème avec lui. Absolument aucun problème aussi, ouais. Moi je trouve original, je trouve sympa. Enfin, voilà. Ouais. Il va dans May. Même niveau que Legiana, honnêtement. Bon, le prochain par contre, on est d'accord. Ah oui, non, mais là, allez hop. C'est limite s'il a pas sa cage Jésus là. Moi, ça va excellent. Être ensemble, ça va être ouais. Tout en haut, hop, avec mes poteaux, bien évidemment. Ah, ouais. On en vient enfin au T-Rex Magma. Ah, peut-être le prochain monstre de World d'ailleurs. C'est peut-être le prochain monstre de World. Ben, on prie pour que ça soit lui, hein, parce que putain. Ouais. Alors, ça, quel bonheur. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez. Je mets dans très bon, je mets au niveau. Je mets pas au niveau du Mizu, mais je mets en très bon, je mets juste en dessous. Moi personnellement, je le mets dans ça, quel bonheur. D'accord. J'adore l'affronter. J'aime bien l'affronter aussi, j'aime bien. Est-ce que vous avez une case, le meilleur et le pire pour la fin, qu'on compare un petit peu. Le meilleur et le pire. Le meilleur monstre et le pire monstre en bas. Oh, t'inquiète pas. De toute façon, on répondra à la fin. Je pense que, de toute façon, peu importe la case, on répondra quel est le pire monstre. Il y en a qui ont envoyé leur message, ils ont déjà posté certaines de leurs tier list sur Twitter. Oui, j'ai vu celle de Lumix, j'ai vu celle de Coma. Je les montrerai à la fin si on a le temps et tout. Bah c'est que ça marche bien, c'est pas trop mal. Ouais, j'ai posté la mienne aussi, celle que j'avais envoyée à Pierrot. Ouais, mais j'ai pas regardé, hein, je te le dis tout de suite. Est-ce que... quelque chose... on continue. Ouais. Ah, okay. Monobloth. Oubliable. Non, c'est pas une j'aimais bien, moi. Moi, je mets dans mes. Oubliable, donc Reliance, donc. J'ai pas de... C'est quoi? Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est? Nadjarala. Ah, mais c'est un nouveau, ça. Bah, c'est 4U. Alors, Nadjarala, c'est 4U, c'est un nouveau monstre, c'est le nouveau monstre serpent. Pourtant, je le mets dans... Oubliable. Ah, oh, moi, sérieux? Franchement, non, c'est pas énorme. Ouais, moi, le Nadja... En fait, le Nadja m'a peut-être plus saoulé qu'autre chose. Parce que... Enfin, il m'a pas surpris. En fait, enfin, il m'a surpris au début, la seule fois où je l'ai fait, et après, rien du tout. J'ai mis dans correct le Nadler. Parce qu'après, il y a le Nadler du déluge qui m'a beaucoup plus marqué, en fait.
Non, je préfère le normal plutôt que la sous-espèce. Ouais. Ah, le boss final de Monster Hunter Génération. Soit le Nakarkos. Nakarkos. Ouh là là, c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai pas passé un mauvais moment, mais bon, je pense que Unstone, parce que je m'en souviens, mais useless. Pour moi, je l'avais farm, mais bof. Quoi. En fait, le truc, c'est pour moi, c'est même pas un boss de fin. Il est là, je pense. C'est pas un boss de fin. Il y aurait plus un boss de transition. Ouais, grosse transition entre Oran rangé. Et encore, même dans Génu, c'était la vérité, c'est que la quête qui faisait passer rangé, c'était le Diablos. Pourquoi je sais pas. C'est débile, hein, mais c'est vrai. Bah, c'est peut-être pour introduire un petit peu le Diablos. Diablos en mode tenez, on vous apporte un ancien monstre, mais on l'a refait et tout, et vous allez voir à la fin, ça sera trop stylé. Et voilà. Je trouvais pas désagréable à chasser, mais en fait, quand je faisais, je finissais la chasse, je voyais mourir et puis j'oubliais tout en fait. La seule chose qui m'a marqué, c'est sa mort, c'est tout. Ouais, avec le gros laser là. Ouais. Tough, hein. Alors, si je dis pas de conneries, le prochain, c'est le Namiel. Oh là 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 là, Gauthier, je suis désolé. Ouais, je me disais bien, mais moi personnellement, des combats que j'ai vus, il est super stylé, il a des moves et tout, c'est pas bizarre, mais il y a un truc. Moi franchement, c'est un DA que j'adore affronter en mode chill. Lui, clairement, il est agréable à affronter. D'accord. Mais il est super agréable en fait. Moi personnellement, donc comme j'ai pas. Comme je suis un connard. Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu un DA d'eau aussi. Donc... Ouais, c'est vrai. Et puis même, je trouve hyper original le fait qu'il utilise de la foudre avec pour faire exploser les flaques d'eau. Je trouve que le Nami, il est grave original. Il a quelque chose que. Aucun autre mob n'a en fait. Genre, le squelette du Caméléos. Ouais. Ouais, il est très inspiré du Caméléos, mais il est meilleur quand même. Et je pense qu'il est bien, bien stylé. Mon fluffy. Ah, oui. Mon fluffy, il est là. Le Narga Kuga. Le Narga. Alors, honnêtement, le Narga Kuga, il m'a pas beaucoup marqué. Le classique, si, moi, dans FU. Dans FU, je l'avais fait. Moi, dans FU, et c'est très simple, pour moi, il va dans Jésus avec mes monstres, bref. Je l'aurais mis sacré bonheur, perso. Ah ouais. Narga, putain, c'est l'un des mobs qui m'a le plus marqué, c'était LE mob de FU. Oui, c'était LE mob de FU, mais pourtant il m'a pas marqué. Le mob que j'ai fait 200 fois. Mais je le trouve grave stylé. Enfin, moi, je le mets dans bon. Il est bon, en fait. C'est un bon monstre, mais... Il était plutôt... Ouais. Ah, moi, je le trouvais bien, sans déconner. Je l'aimais beaucoup. Les gars, prochain gros débat. Non, pas moi, pas gros débat. Moi je le mets dans oubliable. Je le mets dans oubliable parce que voilà quoi, depuis Asborn et puis même. Non, je serais pas aussi sévère. Moi je le trouve très sympa comme combat. Après, bah c'est un dragon plutôt brutasse. Hein. C'est juste pour montrer à quel point il bouffe les autres. Mais... Ouais. Moi je le mets dans ça, quel bonheur. J'ai beaucoup aimé le fight contre l'énergie. Mais on sait tous dans tous les cas qu'il y en a un autre qui va arriver derrière. Donc du coup je le descends. Voilà. Hop. Voilà. Ah putain, ce monstre, je l'adore. Je l'adore. Ah la Nercy. Je l'adore. La Nercy, je vais mettre dans une stonk. Ah non, sérieux? Par rapport à d'autres jeux où quand ça te sort des mobs insectes, t'en as plein le cul. Ça changeait vraiment parce que on te sortait tout le temps des wyvern et toi les wyvern. Ah, moi personnellement, il y a plus que c'était les couilles contre. Sérieux? Ouais, moi Nercy, je sais pas, j'aimais pas. Genre, on disait, on a affronté une Nercy et tout, je me souviens. Mais elle est hyper fun à combattre pourtant. Elle est pas fun. Ah, crois-moi que quand elle fait des allers-retours entre le haut et le bas, crois-moi, elle est pas fun. Hein. Au contraire, j'aimais bien. La moitié en bas, la moitié en haut. Hein. Ah non, ouais, mais triste, quoi. C'est une araignée quoi en fait. Hein. C'est... Ouais, c'est chiant. T'as pas de goût. Comment ça, les salauds. Bulle allemand. Pour reprendre Je préfère les largement aux gobules. Le gobule allemand, je le mets dans Nyxabi. Hop là. Carrément. Ça dégage. Ah non, je l'aime pas. Il est useless. Il aurait jamais dû exister. Pire que le Lavaziote.
pour vous dire. Non, au moins, comparé au Lavaziot, ça me faisait marrer avec le Nibble quand tu lui faisais bouffer des bombes. Bah en fait il a un combat qui est plutôt original, en plus le Nibel. Il a détruire sa glande, il y a assez et tout. Et puis tu peux le pêcher aussi, tu peux pêcher le Nibel Snarf, qui est vraiment une très bonne idée. Tu peux aussi pêcher le Gobul, c'est bon. Oui bah oui, mais le Gobul, je suis désolé, c'est un poisson, donc ça va dans la merde. Ouais, s'il te plaît, mais pour moi c'est juste un Céphalodrome 2.0, voilà. Je le dis, c'est vrai. Pour moi c'est un Céphalodrome 2.0. Moi je le mets correct, hein, même niveau que le Nadlera là. Ouais, bon, ok. Ah putain. C'est qui le prochain? Malfestio Lune Noire. Ah, le Malfestio Lune Noire, pour moi, il va clairement dans ça, quel plaisir. Je kiffe l'affronter. Nique ta mère, Zubi. Ben, pas moi. Nique ta mère, Zubi, instant. Jova et Leto. Léo, pardon, Leto. Unstonk. Jova est horrible. Je trouve le Lune Noire vraiment horrible. À ce point? Vraiment. Ah merde. Oh, tout ce qui est lié au Mafestio, je le déteste. Je préfère largement le Mafestio normal. Pourtant, le Lune Noire, il promettait du rêve, il devenait invisible et tout, mais. Ouais, non. Moi, il fait beaucoup trop de dégâts. Y a que le Nargas Elenium et le Calameos qui peut se permettre de se foutre invisible devant moi. Oui. Ah non, moi j'aime beaucoup le fait qu'il soit invisible. Alors le prochain il va dans Abominable aussi, hein. Je suis désolé mais là... C'est lequel? C'est quoi? C'est quoi? Paolumu Belladone. Oh, fou, ah. Merci. Oui, lui beaucoup l'ont détesté, moi ça va. Paolumu Belladone, je le mets dans... Unstonk. Je le mets dans Unstonk parce que... Bah, il est... Personnellement, je trouve sympa en fait. Enfin, personnellement, je trouve son design sympa. Et il fait... Enfin, sa référence est super cool. Donc j'aime beaucoup. Je vois pas de quelle référence tu veux parler. De la Belladone. C'est une... Oui, c'est la plante aux propriétés paralysantes, je suis au courant. C'est ça. Et après, oui. Lodogaron. Lodogaron, honnêtement, il va dans les très bons. Il va dans les très bons, c'est pour moi. Lodogaron, je le mets au même niveau que l'énergie, c'est-à-dire... This is fine. Je sais pas... Le fait que... Faire un peu un monstre vraiment cool, le Klebs. Je me rappelais un peu ce que m'avait procuré niveau sensation le Seragios. Ouais, un petit peu. Il va assez lent. Ouais, il va très très vite. Moi, c'est vraiment l'ambiance qui m'a charmé chez lui. Quoi, en fait, c'est le Dogaron va super vite. En fait, genre, il a pas le temps. C'est un mob, il a pas le time, gros. Bah il a la dalle donc il veut se presser quoi en fait, c'est tout. quand tu vois le bestio. Gros débat pour le prochain. Les gars, est-ce que je peux parler pour lui s'il vous plaît? Vas-y, je t'en prie, fais ce que tu as à faire. Alors, je trouve honnêtement moins pire que le Kirin. Plutôt d'accord. Ah sérieux? Je m'y attendais pas. Moins pire que le Kirin? Bah personnellement le Kirin je trouve... Je préfère être gelé que paralysé. Hein. Moi aussi. Ouais. Honnêtement, je mettrais dans les corrects. Il est correct pour moi. Ouais, je mettrais. Ouais, aussi là. Là. Ouais. C'est correct, c'est pas une catégorie bien ouf, mais pour un Kirin, c'est déjà. C'est vraiment Kirin, pas mal quoi. Un Kirin, tu vois. Ouais. Toujours mieux que cancer. Ouais. Le Paolumu normal. Oubliable. Paolumu normal, ouais, c'est oubliable, ouais. Je pense qu'on peut pas... On peut pas dire que ça soit incroyable, donc ça dégage. Donc voilà. Radiant Sakura. Radiant Sakura, je vais me permettre de parler. Alors, la Radiant Sakura, on l'a bouffée à chaque fois quand on faisait la transition de fin bas rang et qu'on commençait enfin le haut rang, etc. Sur beaucoup des Monster Hunter. Sauf FU, mais elle est détestable. Pour moi, elle est détestable. Ben ouais. Honnêtement, en fait, c'est surtout c'est grâce à... Qui... C'est 3U qui m'a fait détester, en fait, vraiment. Alors moi, personnellement, je la mettrais dans DC Spain. J'ai eu aucun problème avec la Sakura. Genre, vraiment, c'est... Sakura, surtout dans World. Et en fait, c'est surtout la Sakura qui avait le coup de queue rotatif légendaire, voilà. Ouais, c'est... En fait... Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de 3U? Oui.
Est-ce que vous vous souvenez, au début des 4-6, on venait de buter Sadeus, on venait de buter aussi le Ludrov pourpre dans Épique Brumeux. Oui, le Théostra pourpre, la version empoisonnée, ouais. Ouais, version empoisonnée du Ludrov. Et on avait une quête clé, qui était donc obligatoire de faire, où on nous demandait de chasser une Ratlan Shakula dans l'Épique Brumeux. Ouais. Ouais. C'est... Je crois que avec le gobu, c'est un de mes souvenirs les plus douloureux. Moi, j'ai jamais de problème avec le gobu, mais ouais, la Sakura, j'en ai eu ras le cul de la ouais. refaire à chaque fois dans les transitions au rang. Elle est... Ah, moi, pas dérangeable. Genre, pas dérangeant du World. En World, parce que on te termine avec le. Merde, comment il s'appelle le... Zora Magdalus. Voilà, on te fait terminer avec le Zora. Sauf que le tranchant du Zora, c'est tranchant vert, un peu de bleu. Alors, face à une Sakura, T'es un peu dans la D, quoi. Ouais. Ah, c'est dans la merde. C'est dans la... Le... Plésiot. Le Plésiot, il va dans Jésus plus 1. Merci à tous. Juste pour... Merci non, mais je suis d'accord, juste pour le même, en fait, avec les Plésiot. Ouais, exactement. Non, mais arrêtez, les gars. Faut jouer un Jésus. Niveau de gameplay. Hein. Voilà. Moi, je mets dans Abominable le Plésiot. Je suis... Voilà, quoi. Ah oui, non, mais la bonne nuit, là. Ouais. lui, j'aime bien. Mais je vais vous laisser parler. Demio Prune, hop, il va dans Relion Stonk. Il ouais, est oubliable. Pareil, je trouve un peu oubliable. Je mets dans mai. Attends, quoi que. J'ai mis. Où le. Oh, je vais le mettre au niveau de l'Ermitor normal. En fait, je l'ai trouvé sympa en fait. Surtout sur FU en fait, c'est sur FU qui m'a surtout marqué. Pouquet. Oubliable. Ouais. Oubliable. Pouquet, ouais, pas utile. Hein. Ouais. Il faisait la quête urgente quoi, il faisait la première quête ouais, urgente. Ouais, ouais, mais c'est ça en fait. Alors lui, alors gros salope, voilà, abominable. Bon, je l'ai sur Amethyst, ça dégage dans Nyx the Bee. Non, le Ludrot, c'est exactement la même. Ouais, non, pareil. Les deux, ça dégage. Ah, le Ludrov pourpre ouais. Ah, perso, ouais. je suis pas chaud. Ah, Ludrov pourpre, bah, il m'emmerdait le pourpre. Il me cassait les couilles, il est chiant. Au secours. Je suis d'accord. On va dire ouais. Kurupeko normal. Ouais. Ah, repensez à la quête événement dans 3U. Oui, je pense aussi à celle-là, ouais. C'était pas celle avec les oiseaux colorés, avec les 4 Kurupeko. Non, c'est celle avec le Kurupeko, mais le Kurupeko appelait un David Joe Savage. Ah oui, dans la quête. J'ai fait quelques désert. Moi j'ai mis dans Abominable parce que je me souviens de ma première frayeur sur 3U. C'était quand il avait appelé une Ratlan dans la quête. Merci Coma. Mais ouais, perso je le trouve absolument horrible. Ah, là je pense que je vais pas avoir le même avis que vous, mais je vais vous laisser parler en premier. Attends, c'est Radoban. Je l'ai trouvé un peu oubliable. Je le trouve plus agréable à affronter que l'Uragan, mais il est oubliable. Ouais. Mais non, mais pareil, on le préfère à l'Uragan parce que l'Uragan, c'est tellement pas agréable à affronter. Mais sinon, après, bah, il reste quand même oubliable. Moi, j'aime bien. Moi, franchement, c'est un monstre que je trouve bien meilleur que l'Uragan. Je mettrai en correct. Radoban, franchement, oubliable pour moi. J'ai trop peu affronté le monstre, je peux pas... Ben c'est... Ouais. Non, même en le faisant plusieurs fois, je le trouvais un peu oubliable. Bah, ou useless. Ah! C'est qui le prochain? Ah oui. Et les gars, on en est à la lettre R. Attends, c'est quel mob? Ah, le Braki nucléaire. Ouais, bon, Braki, God. Juste pour la version Iceborne avec la seconde phase là. Avec la remusique. Pour moi, c'est GG. Ouais. Lui, il va ici, malgré que je le déteste, dans Génu.
Mais c'est vrai que dans World, il est légendaire. Alors, ok. Bon. Je mettrai pas dans excellent, je mettrai dans les très bons, moi. Ah si, c'est vrai. Bon, allez. Alors. Alors, lui. Là, je voudrais qu'on parle. Le Rajang, c'est mon bébé. Ok. J'adore ce monstre aussi. J'adore c'est le monstre. C'est mon gosse. Et il va très certainement aller ici. Parce que vraiment, c'est un mob que j'adore. Après, je sais pas s'il y a l'autre, je vois pas l'autre. Si, normalement, il y a les deux. Ouais, il devrait y avoir l'autre, normalement. Normalement, ouais. Les deux, de toute façon, s'il y avait les deux iraient ici. En fait, parce que je kiffe le Jung. Ouais, je vois pas le Rajang. Je vois pas le Rajang doré, par contre. Mais il y est pas. Non, c'était sur le mob. J'avais vu les deux. Ah, merde. Bon, on avait pas les monstres de FU après. Est-ce qu'on peut mettre le Rathalos et la Rathian en même temps? Parce que je trouve qu'ils ont une place emblématique, les deux en même temps. Alors, ils ont toujours été dans le même jeu et tout. Ils sont emblématiques, mais en vrai, bon, j'en ai tellement ras le cul de les revoir à chaque fois. On est d'accord. Je mets dans très bon. Voilà, j'aimerais qu'ils diversifient avec un nouveau couple de monstres. Ils arrivent à sortir eux. Un peu comme on a eu Théostral ou Nastra aussi. Ouais, non, comme, mais... Comme... Franchement, je voudrais bien qu'ils dégagent parce que vraiment, c'est les mobs les plus simples du jeu. Ouais, c'est ça. Autant ils sont emblématiques, mais autant à la base, c'était des monstres assez simples. Ils sont simples. Je trouve que le Rathalos de World a vraiment bien changé en fait par rapport aux anciens opus où il était vraiment le même. Ouais, il est au même franchement, niveau. Sur World, il est juste chiant. Il est encore plus chiant qu'avant, je trouve. Ah bon? Ouais, je le trouve mais casse-couille de malade Franchement. Juste il bourre les attaques et il reste, je trouve, beaucoup plus longtemps en vol. Il y a une place. C'est pour ça que t'as les flashs à la base. Oui, voilà, c'est ça. Et heureusement, parce que voilà. Sur 3U, j'avais. 3U, je crois que c'est mon meilleur souvenir de Rathalos, même si j'ai jamais eu la plaque en rang inférieur. Voilà, quoi. Moi, je mettrais dans bon Rathalos et Rathian. Un MH sans Rathalos et Rathian, ce serait innovant mais risqué. Ouais, mais franchement, faudrait qu'ils commencent un petit peu à changer là. C'est pas possible d'enlever le Rathalos et Rathian, c'est comme enlever. C'est l'essence même, mais bon, c'est chiant. C'est chiant que ça soit l'essence même en fait. Ouais, c'est ça, il faut au moins essayer, je trouve. Autant refaire un nouveau couple. Comme changer. Imagine, tu fais un jeu Sonic, t'enlèves le personnage principal, voilà quoi. Tu fais un jeu sur Shadow et ça marche, voilà. Voilà, merci. C'est débile, tu fais un jeu sur Shadow. Non mais attends, il était pourri, je suis désolé, en plus, c'était une grosse merde. Hein. Shadow the Hedgehog. Ah oui. Ah mais c'est du cancer, hein. C'est du cancer absolu. Non, le jeu est pas ouf, vraiment, c'est. Mais il est drôle. Bah en fait le scénario est très nanar et puis même tu peux avoir des voix qui font complètement c'est n'importe quoi, les voix, le scénario il est drôle. Hein. Enfin, on divague. Le Red L Marzuros. Je l'aime bien. Je l'ai oublié. Et bah le dab il est cool en fait. Franchement juste avec le dab je le mets en Unstonk au lieu de le mettre en Rayleigh Unstonk. Mais vraiment il est pas... Même il est Yuki Nakarkos, ouais. Oui, je le mets dans mais. Oh putain, alors lui, par contre, dans l'abominable, hop, voilà. Kezu rouge, Nixeby. Non mais le Kezu rouge, il était... Tu te souviens du Kezu rouge dans la... Comment ça s'appelle? La quête dans FU Non, pas la quête de FU, dans le bois éternel. Dans le bois éternel. Dans le bois éternel, il avait une attaque, ou en rangée. Où il faisait de l'électricité avec des sortes d'éclairs autour de lui. Mais si tu veux, les éclairs, ils s'étiraient autour de lui en forme d'araignée. Ah horrible. D'accord. Je m'en souvenais plus. Je me souviens pas du tout. Désolé. Je me souviens pas. C'est pas grave. C'était une attaque vachement chiante. Les drops royales. Oubliable. Ouais. Non. Non, mais en fait... Juste, on a pas dit que Shadow était nul, on a dit que le jeu en question était... Oui, on a effectivement dit que le jeu en question était complètement foiré. Shadow, c'est l'un des meilleurs persos de tout l'univers Sonic. Ah oui, tout à fait d'accord, c'est mon perso préféré d'ailleurs. Je pense que même dans certains points, il dépasse Sonic, hein, même si c'est un Dark Sasuke. Ah oui, clairement. C'est clairement un Dark Sasuke.
Mais il est trop classe, il est trop classe, ses couleurs, il est trop cool. Le Lune Royal, je trouve fortement que il est oubliable. Il oui, non mais on l'a tous mis dans oubliable, on l'a tous mis dans oubliable, t'inquiète. Ok, bah le Bazarius Ruby, je pense qu'on va faire la même, hein. Hop, paf. Non, Bazarius Ruby, moi je vais le mettre dans mai. Bazarius Ruby, je le trouve oubliable comme le normal en fait. Ah. Moi je le trouve moins oubliable que le mai, parce qu'en fait, Bazarius Ruby, il y avait un truc qui me faisait beaucoup rire à chaque fois. C'est que t'étais dans le bois éternel et tout, tu cherchais le Bazarius Ruby, et puis en fait, là, le machin était planté comme le Bazarius normal, et genre il y avait Ruby par-dessus. Oui, et donc, du coup, moi ça me faisait beaucoup rire parce que là, le premier, là où tu galérais à chaque fois pour le trouver, à lancer un marqueur sur tous les cailloux que tu le faisais, lui en fait, t'avais l'indication, si tu veux, t'avais genre un pointeur qui faisait attention, oui. Il est là le machin. Ça me faisait le Nergi KO. Nergi KO, moi je mettrais dans. C'est un bon monstre. C'est un bon monstre. Ils ont renouvelé Nergi et ça c'est vraiment cool quoi. Parce que Nergi. Alors attendez, je venais juste de revenir. Le Nergi KO, un peu oubliable, hein, je suis désolé, mais il est. Sérieux ? Le Nergi KO, je le mettrais au-dessus du Nergi. Non, je le trouve inférieur parce qu'il est trop simple. Bah, il est simple, mais je trouve en fait qu'il est. Comme il est au même niveau, mais qu'en même temps, je le trouve plus cool, bah, je le mets au-dessus. Nergi KO. C'est tout. Ouais. Putain, lui par contre, il est oubliable. Hein. Enfin, c'est le plus grand monstre qu'on peut trouver en désert d'ailleurs. Il est plus gros que l'Audibatoire. Le Durandboros rouillé, les amis, il est dans Nyx the Bee. Hop, ça dégage. Aucun débat pour moi. Je peux réfléchir. Désolé, le prochain, si tu le mets pas dans Nyx the Bee, c'est que on n'a pas joué au même jeu. Comment ça, le prochain? Ah, le Couchard rouillé. Ouais. T'as pas de bol? Je le mets dans Jésus. Non, parce que encore, celui dans 4 rues, ça passait. Par contre, ouais. J'ai dû faire la quête 9 fois, et à chaque fois, tu sais, il était repoussé. Oui. Au moins 9 fois avant de réussir enfin à le tuer. Non, moi personnellement, j'ai toujours apprécié le Kushala et le Kushala rouillé encore plus parce que justement, c'est un Kushala qui est pas plus adulte mais qui est plus avancé dans l'âge et qui est sur le point de muer. Donc, il est plus fort et je le trouve plus cool en fait. Moi, je mettrais dans très bon. Je mettrais dans très bon parce que j'ai affronté sur FU, c'est vrai, il était un peu chiant, mais sur 4 rues, je trouve sympa en fait. Et comme il est pas sur World, surtout, comme il est pas sur World, ben forcément, il est meilleur que le Kushala. Donc voilà, quoi. Ouais. Il est meilleur, du coup. Ouais. Le Rust Razor de Genius. Ouais, le Brizos. Je mets bien. Je le trouve vraiment cool. Je le trouve cool, mais... Le Brizos, Starfula... Il est cool, mais il est difficile, quand même. Il est vachement chaud. Ouah, non, il est pas difficile. Je te jure qu'il est pas compliqué. Attends, mais quand il a son crâne Gravios, je trouve horrible. Hein. Franchement, ouais, non. Ouais, bon, c'est plus celui en glaive qui me saoule, mais Gravios, vraiment, il est pas... D'accord. Il est pas ouf. Hein. Je vais mettre dans Unstonk. Je vais mettre dans Unstonk parce que, bon, il est pas hyper incroyable. Moi, je vais mettre en correct. C'est un monstre que je trouve correct. Ah, pareil, moi, j'aurais mis dans Zizi. Ouais. Gros monstre. Très gros. Safidjiva, je veux aucun débat. Il va dans ça, quel bonheur. Voilà. Je suis plutôt d'accord. Je mettrai dans très bon. Je mettrai pas dans excellent. Et alors, il va dans ça, quel bonheur, juste pour une et une seule attaque. L'ulti. C'est le Genkidama. Oui, bah oui, l'ulti, bah oui. L'ulti est incroyable. L'ulti fait boum. Ouais, c'est ça. Il faudra faire un bruit de goutte d'ailleurs. Voilà. Ah putain, au score. Mon dieu. Ah, c'est l'affaire, hein. Je suis fier. Hein. Ah putain. Voilà. Mon dieu. Sur le coup, je pensais que c'était une soundboard. Non, c'est ma bouche. Tu crois quoi? Moi, je suis imitateur de talent depuis que je suis tout jeune. Imitateur de talent, les amis. Ouais, hein. Ouais. Perso, j'allais ouvrir la bouteille d'eau à côté de moi, j'allais faire en sorte que ça fasse une goutte. Personnellement, okay. J'allais ouvrir ma bouteille et la mettre sur mon PC. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, Mario de Sable, je l'aime moins que le...
Bah, je trouve un peu marrant par rapport au classique, mais... Le barrio de Desaf fait bien plus de tornades, mais alors, je le mets dans DC Spine. Moi, je le mets dans mais. DC Spine, parce que je le mets sympa. Il est sympa sans plus, en fait. Ouais. Ah, lui, j'aime bien, par contre. La variante. Oui. Non, c'est une variante. Oui, c'est une variante, oui. La Vulcane, je vais la mettre dans DC Spine. DC Spine, mais parce que l'ultime fait marrer. Ouais. Franchement, je mets dans. Je avance. Je vais le mettre dans les très bons. Je vais le mettre dans les très bons. Niveau Safi. Parce que voilà, quoi, c'est affectif là. Celta, je suis pas d'accord pour le Raylan Stonk, mais. Ah, Celtas. Celtas et Ren Celtas, on avait dit on met les deux ensemble. Celtas et Ren Celtas, mais moi perso dans This Is Fine, la normale je la trouve quand même cool. Ouais, la normale est sympa, ouais. Non, moi perso j'aime bien les images qui font autre chose. Correct. J'aime bien les monstres insectes. Non, pas du tout. Genre vraiment. Je vois pas le principe. Non, parce que j'en ai plein. Parce que pour reprendre quelqu'un, j'en ai plein tué des Wyverns. J'avais plein le couille des Wyvern, bordel. Voilà, donc moi j'aime bien quand ils ont voulu sur 4 rues introduire des insectes, moi ça m'a fait plaisir. D'accord. Le Sirigyosu. Alors j'ai aucune affection pour ce monstre, je suis désolé, mais voilà quoi, Je vais le mettre dans ici là, dans This Is Fine. Je le trouve pas incroyable non plus. Donc je vais pas le monter, je vais pas le descendre, donc il va rester à sa place. Je vais le mettre dans les corrects. Il est correct en fait. Il est pas. Il est pas ouf non plus. Est-ce qu'on peut juste mettre le cul de cul en dernier du coup? Pour faire chier. Alors moi perso, je l'ai vraiment mis en dernier, tu vois. Ouais. Shagaru Magala. Quel bonheur. Il va dans ça, quel plaisir. Ouais, totalement. Il y a pas de discussion là. Il est excellent, il a génial comme monstre, vraiment. Ouais. C'est un monstre non élémentaire d'ailleurs. Si, non. Alors lui, je mets dans les très bons. Lui, je mets dans très bon Dalamadurcha. Quel plaisir le Dalamadurcha, parce que pareil, j'en ai vraiment des très bons souvenirs de Farm. Ouais. Et puis même, il est original, il change un petit peu. Voilà. Quoi, enfin. On va me suicider, mais je le mets là. Voilà. Je le mets dans Nyxbee. Oh, bâtard. Je le déteste, ce monstre. Je n'aime pas son combat, je trouve sincèrement qu'il... Enfin, personnellement, moi, je l'ai complètement zappé. J'ai zappé son combat, j'ai fait une seule fois pour compléter toutes les quêtes de 4 rues, mais je l'ai plus jamais refait. Parce que vraiment, il m'a cassé les couilles et je l'aime pas. Je n'aime pas du tout ce monstre. Ah, j'adorais son truc. T'as le droit. Il nous reste... 3 lignes. Logiquement, il reste 3 lignes de mobs. Bon, moi, il m'en reste un peu plus parce que j'ai réduit un peu la fenêtre pour le stream. Mais 7, 8, 9... Enfin, pour le stream, pour la vidéo. Il en reste pas mal quand même. Chara Isvalda. Ah, c'est le Chara. Ok, on est d'accord. Je savais pas ce que c'était, je pensais que c'était un autre bail, mais ok. Alors, Chara Isvalda, honnêtement... Meilleur boss final depuis le dernier opus du coup. Alors, je pense que Caillou, il est useless. Par contre, en forme machin, il est plutôt cool. Et j'avoue que c'est un détail que j'avais pas fait gaffe sur ma première fois, mais les yeux. Les yeux qui regardent automatiquement. Mm. Oui. Ouais, qui regarde le joueur. Et en plus, il y a toute une mythologie autour du Chara et tout. C'est ça qui est cool. Ouais. Enfin, comme la plupart des monstres de Monster Hunter, mais je trouve que c'était un peu plus profond. Ouais. Donc le Chara, je mets dans les très bons. Là, le prochain, par contre, il y en a qui vont pas... Okay, là, on va pas être d'accord. Là, on va pas être d'accord, mais pour moi, le Shengoren, c'est Jésus. Ah bah moi pareil. Ah bah merde, bah on est tous allez, d'accord, fais chier. Allez, fais tant pis. Peut-être pas Jésus, parce que vraiment, les Jésus, c'est les mobs que je porte dans mon cœur, mais c'est Jésus, hein, clairement. Il va dans les très bons. Pour moi, il va dans les très bons. Oui, bah dans ça, j'ai toujours adoré l'affronter. C'était toujours très drôle. Donc voilà. Je me tapais toujours très drôle de faire écraser, ouais.
Non, on aime bien Shen, on aime bien Shen et puis on aime bien aller dans sa coque, enfin dans son crâne de Lao Shen, pour lui placer quelques bombes anti-dragon et puis échapper à l'issue de peu. Ouais, on aime bien ça. Franchement, j'ai adoré ce mode. Ouais. Le Sinator Shogun de base. De base, j'aime beaucoup. En fait, je l'aimais bien. Ouais, moi, enfin, non. Moi, je me souviens de la première fois où je l'ai affronté. Et c'est un jeu que très peu de personnes ont connu. Et ils ont joué, qui s'appelle Monster Hunter Dynamic Hunting. Oui, je connais. C'est la vérité, puisque c'est le second MH auquel j'ai réellement joué. Et que j'ai fini. T'as réussi à finir ? Bravo. Ouais, j'ai réussi à le terminer, franchement, c'était... Ouais. Mais je l'ai terminé au bout de plusieurs années, hein, jusqu'à ce qu'il disparaisse de l'App Store et qu'on puisse plus y jouer. Ouais, mais moi j'ai... Tu sais comment j'y ai joué, en fait ? Vas-y. Moi j'ai craqué. J'ai réussi à prendre un émulateur App Store pour Android sur la tablette. Et puis, bah, en fait, le jeu a bugué, enfin, arrêtait pas de bugger quand je finissais de chasser Young Cut Cut. Donc j'étais trop content, tu vois. Et il était content à chaque fois, il faisait yes, génial, on recommence. Trop ouais. Cool. Allez. Au secours. Ouais. Non, le Sanator Shogun, j'ai affronté sur FU. Et puis pour moi, c'est mon carapace préféré avec le Shen Gaoren. Je mettrais pas en très bon parce que Shen Gaoren a vraiment un truc impressionnant. Je mettrais dans bon le Sanator Shogun. Et puis j'attendais son retour. Bon. Le Legiana Blizzard, oubliable. Legiana Echo Plus. Abominable. Legiana Blizzard, inutile. Abominable. Ça dégage. C'est le monstre de. De trop. Et c'est le monstre le plus horrible d'Iceborne. Je sais pas, il a pas une. Enfin, pas une bonne aura, c'est que. Il est pas utile. Vraiment. En fait, pour moi, je ressens le prochain Bariot là qui va arriver. Je ressens la même parce que ouais, je le vois faire des attaques. Non mais je le vois faire des attaques de Legiana Blizzard. Je me dis direct, bon, ok, là, ça va mal finir. Ouais, tu vois. Je pense que le Bariot aura quand même un truc dans la zone du Valkana. Je pense qu'il va avoir un truc. Bah, j'espère. Franchement, j'espère beaucoup. On verra. Parce que moi personnellement, je pense que je vais prendre Iceborne. Dans un mois. Bah, quand il y aura le Bariot. Quand il y aura le Bariot et quand au final ça fera un an qu'Iceborne sera sorti. Voilà. Genre, réellement. Donc voilà. Ben là, le Bariot va bientôt sortir d'ailleurs. Ah oui, ça revient pas. Dans 3-4 jours, non ? Ouais, je crois. Ouais. Il se fait aussi sortir encore. Et en plus, on va peut-être avoir des infos sur le prochain monstre. On prie. Ouais. Et j'espère qu'on les a un an, ils vont faire quelque chose. Allez. Gormagala, s'il vous plaît, donnez-nous Gormagala. Ah oui, le Gormagala, oui. Le Gormagala, ouais. Ouais. Est-ce que, alors du coup... La Narcilla... La Narcilla... Que tu l'as lu. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, elle était sympathique, donc je vais la mettre dans les 6 fines, ouais. Sans plus, sans gros truc. Moi je la mets dans très bon. Ça va ressortir le débat de tout à l'heure où on n'était pas d'accord, mais moi je suis désolé, mais leur rat argent, j'en ai eu plein le cul de la version Iceborne. Alors je mets niveau. J'ai déjà dit mon avis tout à l'heure sur rat argent, c'est le même que sur l'Aratian d'or. Niveau bon, moi c'est un bon monstre. Depuis. C'est vrai. Moi je le mets dans ça, quel plaisir. Ah, parce que j'ai beau dire que je déteste ce monstre, j'adore aussi l'affronter. C'est-à-dire que c'est ça. En fait, quand je dis que je déteste un monstre, mais je peux le détester dans le bon sens du terme, dans le sens où lui, il va me donner du défi, plus qu'il va me casser les couilles, en fait. Je me dis, lui, j'ai vraiment envie de lui mettre une énorme claque, et je vais vraiment lui mettre l'énorme claque. Voilà. Quel homme. Par exemple, pour celui qui suit, je pense que ça vaut, ça vaut ce que je dis, en fait, réellement. Je sais pas. Le vent acier. Alors honnêtement, je le trouve oubliable, mais je le trouve aussi sympa à affronter, en fait. Ça, le truc, je suis un peu partagé. T'as eu un coup de vent, mec ? Ah, fallait que je me mouche, bordel. Ouais. Putain, ah bah là on l'a senti, ils vont affier, mec. Hein. Bah tu m'étonnes, frère.
Ouais. Ok. Pour le coup, vent acier, je mettrais. Ben, soit oubliable, soit. Soit bon, correct, oubliable. En fait. Je mettrais un stonk. Personnellement, je le mettrais. Je vais le mettre dans. Dans la catégorie normale, c'est-à-dire This is fine, parce que. En vrai, il est chiant, il m'offre du défi, mais il est plus chiant qu'il m'offre du défi, tu vois. Genre vraiment, c'est quelque chose. Je sais pas. Ouais. Lagombi, Maître Neige. Maître Neige. Oubliable aussi. Ah, oubliable aussi, ouais. Je pense que je vais le mettre au même niveau que le Red Helm aussi. Voilà. Ah, lui. Ah, le prochain. Dans mon cœur. Dans mon cœur, Sans. On est d'accord, il est au même niveau que le Mizu. Oui, complètement. Alors là, mais complètement. Voire peut-être au-dessus. Ouais. Hein. Hop. Je mets en excellent. On va le mettre en excellent. C'est rare. En plus, j'ai pas beaucoup de monstres dans excellent. Hein. J'ai vraiment essayé de me garder un peu, quoi. Ah, moi, pas du tout. Je m'en bats les couilles. Hein. Moi, j'ai 10 monstres dans excellent, quoi. Oh, je l'aime pas du tout, le prochain. Moi non plus. Alors, Abominable, parce que je suis désolé, la puanteur, c'était vraiment la pire idée pour un ouragan. Alors, il ne fait pas arriver sur l'ouragan et il est arrivé quand même. Ça me casse les couilles. C'est chiant. Mais voilà. Ok. Donc, l'ermiteur.fr. Je pense qu'il est aussi oubliable que les autres. Je sais pas où. Alors, un truc qui m'a marqué avec lui, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il est oubliable, en fait, c'est le coup de la corne qui devient un peu jaune. Ah, il est quand même, je sais pas, il est oubliable, hein, quand même, c'est... En fait, c'est la seule chose qui m'a marqué lui, donc c'est pas suffisant pour le mettre ailleurs, parce que le combat, c'est un Ermitor normal, en fait, un Ermitor un peu plus gros, c'est tout, quoi, mais... Ouais, mais non, oubliable, ouais. Oubliable. Alors lui, par contre, Gauthier, hein. Allez, ah oui, alors, attendez, voilà, excellent. J'ai pas eu, lui. Hop, là, excellent. Lui, il va, là... Le top. Hop. Si là où si vient, ça dégage, tout en haut. Absolument tout en haut. Non, mais excellent direct, hein. Pareil, hein, j'ai fait tout en haut. Non, le Phoenix qui vient, il est génial. La Gia, t'en penses quoi, toi? La Gia, il est AFK, il revient. Ah, ok, merde, j'ai pas entendu. J'espère que Tchad va bien aussi. Il te raconte des conneries? Bah, en soi, je pense qu'ils ont, décampé quand on a commencé. Faire à la fin de la tire, mais non, mais en vrai, en vrai, ça va. Okay. Genre, tranquille, on peut finir la tier list tranquillement, tu vois. Ouais, ok, ça marche. Théostra, j'aime beaucoup ce monstre. J'ai du mal. Théostra, depuis peu, depuis la supernova de 4 rues. Ah, putain, je vais le mettre. Je le mets là, mais je sais pas. Moi, je mettrais. C'est un bon monstre pour moi, le Théostra. Ah, je vais le mettre dans This is fine, hein, vraiment. Sérieux? Ouais, mais pas plus. Hein. D'accord, ok. Chacun ses goûts. Le Shogunter, il est complètement oubliable. Hein. Quoi? Le Shogunter. Putain, j'ai zappé. Genre, mais réellement? Oh putain de merde! Ça, c'est le monstre le plus oubliable, je crois. Je vous jure que no joke, hein, c'est pas un troll, hein, j'avais complètement zappé. J'avais zappé son existence à lui. Il est que rangé sur FU et il est vers la fin. Il est. Ah ouais, non, il est pas utile, merde. Alors, honnêtement, j'aimerais un retour de ce monstre parce que j'aimais beaucoup en fait. Mais c'est vrai qu'il est oubliable. Hein. Mais. J'aimais beaucoup ce monstre en fait. J'aimais plus que le sénateur normal, mais malheureusement pour nous, le monstre est complètement oubliable. On va pas se mentir. Le Tetsukabra. Il me reste 3 lignes. Tetsukabra. Ouais. Le Tetsu, je vais le mettre dans un stonk. Il est ni oubliable ni très bon. Donc hop. Moi je mettrais. C'est un bon monstre. Ouah, viteuf. Franchement, viteuf. Feu du ciel. Feu du ciel, je vais le mettre dans This is fine. Sincèrement, je le mets pas plus haut parce que il a de la vie de la Gia. J'ai besoin de la vie de la Gia pour le mettre. Parce que, honnêtement, j'ai pas mal oublié ce monstre.
En soi, il a quasiment les mêmes coups que le Zinogre. Quand il donne des coups de patte, il fait des éclairs en plus. Il a le fameux coup de corne, enfin le double coup de corne avec full salto et tout. Mais en soi, il est un peu... Enfin, personnellement, je le trouve un petit peu... Pas useless, pas plus useless que les deux autres, mais... Il a la décharge que j'aime bien. Il a la décharge, mais... Ouais, c'est un Zinogre en plus méchant, mais je sais pas, je le trouve moins charismatique que les autres, en fait. Ouais, il est genre... Le Stygien, il n'aura plus... C'est Sonic et Shadow, les bails, genre, vraiment. Le Stygien, c'est ça ce qui est, en fait. C'est con, hein, mais c'est ça. Ouais. Honnêtement, le Stygien, moi, je vais le mettre dans Oubliable. Enfin, pardon, pas le Stygien, pardon. Le Feu du Ciel, ouais. Ah, lui, je l'adore. J'aime beaucoup ce monstre. Alors, le Najarala... Le Déluge. Raylan Song. Sérieux? Ouais, j'aime pas. Le Tigré non plus, je l'aime pas. Moi, je mets en très bon parce que Najarala, le Déluge, sans déconner, rien que pour le principe des écailles qui vont dans le sol et qui, en fait, conduisent l'eau et tout. Ça reflète le coup. Je sais pas, moi, j'aime pas trop. Après, le connard de service. Je vois pas. Lui, je l'aime bien aussi. Hop, lui, il va très clairement là. Parce que je l'aime pas du tout, il m'a fait chier. Tu le mets dans Abominable? Je le mets clairement dans Nyxubby, hein, Abominable, tout ce que tu veux, mais en dessous. Je le mets en dessous. Pour moi, c'est un bon monstre, le Tigré. Moi, j'aime bien. Je l'aime pas. Le Tigré, c'est le premier monstre. C'est l'un des premiers monstres aussi que j'ai vu et que j'ai affronté. Pour moi, il va dans. Il va là. Hein. Il va très clairement dans Beast is Fine parce que il m'a fait peur. J'ai vraiment flippé. il faisait peur en fait parce qu'il allait vite, il faisait très mal. C'était comme affronter un mob dans un jeu d'horreur en fait, mais un gros mob, etc. Genre, c'est vraiment Nemesis de RE3, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Nemesis, c'est dans RE3, mais voilà quoi. J'évite entre le mettre en bon ou en correct. Mais non, t'inquiète pas, ton Arzuros, il est. Je vais le mettre dans correct. Et là. Je suis désolé pour tous les fans du Tigrex, mais en fait, la particularité du Tigrex, c'est que il est rapide, il est fort et tout ce que vous voulez. Mais c'est rien de plus que ça en fait. C'est juste un prédateur en fait quoi. Il m'a fait flipper quand j'ai été sur FU. Mais moi aussi, hein, la première fois qu'il apparaît, je suis en mode. C'était dans la quête des hangs de Popo. Oui, complètement. Ouais. Et c'était vraiment très très difficile, mais voilà quoi. Enfin, c'est vrai. Pas ouf. Le Toby. Toby normal. Ouais. Toby normal, je trouve moins oubliable que le Toby Viper. Ouais, d'accord. Mais je le mets en Unstonk parce que c'est l'un des premiers mobs du jeu. Il est pas incroyable. Je vais mettre dans mai parce que dans les trailers de MH World, c'était un monstre qui m'a hypé bien quand même. Yep. Oubliable. Alors lui, il va dans Jésus. Pourquoi? Voilà. Mais parce que c'est mon goat. Parce que c'est mon goat dans le jeu, il flash tous les mobs que je trouve. Quel homme. Moi, j'ai... Il est trop oubliable. Bien. Pourri. Oh non. Lui, Lucan, je vais le mettre dans ça qui est le plaisir. J'aime beaucoup l'affronter. Il faut qu'il soit chiant avec son attaque là où il rentre, dans le sol et où il fait des trucs. Moi j'aime bien, c'est pas une attaque difficile à esquiver. Moi je vais mettre dans correct Lucanlos, moins que la Cantor parce que la Cantor je le trouve un peu mieux que Lucanlos. Ouais. Mais après voilà quoi, c'est purement personnel là pour le coup. Ouais, Tractop, mais oui, c'est ça. Hein.
L'Uragan, Reliance Song. Gros salope. Très Reliance Song, vraiment. Ouais. Je l'aime pas. Et puis même, il est revenu dans World, mais on sait pas pourquoi. Bah en fait, il est pourri, il reste le truc. Ouais, je sais pas. L'Uragan, vraiment pas ouf quoi comme mob. Oula, alors là, on va enchaîner 3 mobs qui sont trop cool. Réellement. Alors, je ne vois pas. Alors, le premier, c'est Valazak. Oui. Le Valazak. Donc, dis-moi ce que c'est le Valazak. Alors, le Valazak, personnellement, c'est le premier mob de World où j'ai réellement eu du mal. Dans le sens où, en fait, il me divisait tout le temps ma vie par 15 000. Le truc, c'est que, vraiment, son combat m'a donné envie de jouer à World. Ça m'a donné l'espoir que World soit compliqué. Réellement. Bah World est devenu compliqué, tu me dis. Il est devenu compliqué. À la base, il était nul à chier. Oui. Voilà. C'était pas un bon MH de base. S'il y avait pas les phases suprêmes, parce que c'était pas la version Ultimate. C'est tout. C'est comme Gen. Genu est arrivé, ça allait mieux. Mais... Exactement. Même si Genu, j'ai un peu de mal encore avec. Voilà, même si, désolé, mais Gen dépasse World. Gen dépasse. Non, je suis pas d'accord pour ça. Gen, pour moi, c'est vraiment le pire Monster Hunter qu'on ait eu depuis un bon moment. Si je dis Gen dépasse World, Gen est meilleur sur World sur certains points, et World est meilleur sur Gen par rapport à certains points aussi. Genre, sincèrement. Gen, plus de mobs. Les styles et arts de chat. On retrouve tous les autres villages. Mais, pas beaucoup de nouveautés dans Gen. Oui, c'est ce que je dis. World apporte le fameux nouveau monde, des nouvelles espèces de monstres comme l'a fait Tree. Voilà, et on en retrouve aussi. On retrouve certaines anciennes, mais principalement dans World de base, il y a des nouveaux monstres. Donc forcément, ça plaît quoi. Et puis, il faut pas oublier que Gen, c'est pas un opus. C'est pas un opus. Je peux pas prendre cet argument là. Gen n'est pas un opus. Pour moi, Gen c'est un opus comme un autre, comme Gen U est un opus. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un réel opus à part entière. Si. Il reste quand même anniversaire. Bah, dans ce cas là, Gen U c'est tout autant un anniversaire. Oui, que, mais oui, bien sûr, c'est ce que je dis. Donc si Gen U est un opus, Gen en est aussi un. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Non, tu disais que Gen n'était pas un opus. Bah oui, pour moi c'est pas un vrai opus. Pour moi c'est un vrai opus. Donc on s'attendait tous à un truc de fou pour Gen. Bah, à la base Gen il devait pas sortir en France. Les gens ont gueulé pour qu'il sorte. Il est sorti, on a craché dessus. Ouais, on a bien fait, vu la merde que c'était, je suis désolé, mais voilà quoi. j'ai pas dit gros bestiaire et il y a le bestiaire de qualité, j'ai jamais dit ça. Je dis juste que le bestiaire de Gen est plus important que celui de World, c'est tout. Oui, mais si t'as que 8 nouveaux monstres dans Gen, voilà quoi, y a pas... y a pas bah oui, c'est tout. Ouais. Le bestiaire, c'est le même que les autres d'avant. Ouais. J'ai toujours dit ça. Bref, on peut retourner au Valazak. Valazak, moi c'est bon. Ah ok. Valazak, moi je le mets dans... Moi j'aimais bien affronter sur World. Je vais le mettre dans correct. Le Valstrax, allez hop, Gauthier. Valstrax, ouais. Ça qui est le plaisir de l'affronter, même s'il reste chiant. Ah bon? Ah ouais. Moi je le trouve pas chiant. Moi, le DLCG, tu le sens passer quoi. Ouf. Vel'Kana, franchement. Après, tu l'as pas affronté, si? Non, mais je m'en fous. Non. Voilà, il va dans Jésus. Ah. Non, bon, bah écoute. Alors, Vel'Kana. Difficile, Vel'Kana, difficile.
Valkana, c'est pas un monstre que je déteste, c'est pas non plus un monstre que j'aime, mais c'est un bon monstre. C'est un bon monstre emblématique, je vais pas le nier, quoi. Il est meilleur que l'énergie, il est meilleur que la plupart des monstres emblématiques qu'on a. Oui, surtout c'était peut-être l'un des seuls DA de glace. Oui, aussi. Voilà. Et puis, ben voilà, quoi, très clairement, très bon monstre. Vélocidrome. Attends. Alors, Vélocidrome. Merde. Hop. Tac. Abominable ou oubliable? Jésus. T'abuses. Jésus plus 1, parce que, Vélocidrome, en fait, y a pas de meilleur monstre que lui, en fait. Théoriquement, il est censé buter tout le monde. Hein. C'est le Krillin de Monster Hunter, c'est trop cool. La musique en oubliable. Mais je pensais vous en... je pensais qu'ils entendaient pas la musique, mais si, ça passe en fait. Reine Vespoïde. Ah, c'est la Reine Vespoïde avant, ok. Attends. Celle avec. Alors avec la Reine Vespoïde, c'est comme l'hypnologatrice. Elle est pas réapparue depuis FU. Et il me semble même que l'hypnocatrice a refait son apparition dans Online, donc au final il est réapparu. Mais la reine Vespoïde, elle est clairement jamais, elle a jamais rip-hop. Vraiment. Elle a jamais rip-hop et c'est pas plus mal non plus, hein, parce que très clairement moi le monstre je le mets dans Abominable. Hein. Alors moi très clairement j'en garde un bon souvenir de fight parce que c'était débile, sa fight était débile as fuck, donc j'en garde un bon souvenir quand même et je la mets dans Unstonk. Genre, moi j'ai mis en abominable. Putain. Lui par contre il est oubliable. Hein. Le Toby Viper. Ça me désole. Toby Viper il dégage. Ça me désole de dire ça mais voilà. Agréable. Attends. Tu fais gaffe aux musiques sur Twitch? Non, je m'en branle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc, c'est que sur les CDC, on gardait quand même un truc parce que c'était quand même. Quelque chose qui était rémunéré, là c'est ma chaîne Twitch, je fais ce que je veux et je mets la musique que je veux, peu importe si elle est libre ou non de droit. Voilà. Il a tout compris cet homme. Puisque Volvidon, tu es dans Unstonk, puisque tu es aussi oubliable que les autres. Ah, là... Je trouve moins oubliable, je trouve quand même un peu plus fun. Il est plus fun que les autres. Je m'en fous des droits d'auteur. Ok. Parle en premier, je parlerai après. Alors, lequel? Oh putain. Le Fata Blanc. Le Fata Blanc, en fait, il y a une commu qui s'est créée autour, qui est peut-être un petit peu toxique, et puis c'est ça qui me fait regretter un petit peu l'aura du Fata Blanc, en fait. Là, le Fata Blanc, je dirais pas que c'est un mauvais monstre, mais honnêtement, c'est le moins ouf de tous les Fatalis, même s'il est pas du tout oubliable. Pour moi, il va dans les bons, mais pas plus haut. Alors, juste, comment ce qu'il veut dire par commu toxique, c'est que généralement sur 4 rues, 90 putain de pourcents des joueurs avaient cette armure et qui était nul à chier. Voilà. Elle était. Oubliable au possible, tout le monde l'avait, tout le monde pensait « Ah, c'est le boss final et tout, il est trop cool, PTDR !» Elle était nulle, son armure. Elle avait tout Katana, mais Katana, t'avais ça avec des mix. Enfin voilà, je veux dire, les gens jouent avec ce qu'ils veulent, mais au bout d'un moment, tu peux pas me sortir, elle est la Fata Blanc est meilleure que d'autres armures, parce que c'est faux. Voilà. Et maintenant, j'en viens à mon avis, le Fata Blanc, je le trouve nul à chier. Un point, c'est tout. T'as le droit. Parce que je le déteste dans Génu. J'ai fait une overdose de smob dans 4 rues. Donc plus jamais je retape un Fata Blanc. Et réellement. D'accord. C'est... Oubliable. Monobloss. Oubliable. Oubliable toi. Monobloss bluant. Monobloss blanc. Et c'est quoi ça les gars? De quoi? Ah, ça. Attends, c'est un Wulk, ça c'est un Wulk. Un Wulk. C'est quoi, c'est un mini monstre ça? Ouais, c'est un petit monstre. Ah oui, c'est maître, ouais. Après, c'est t'as le White Monobloss, qui est donc le Monobloss blanc, quoi. Bref.
Allô? Oui, quoi? Monoblose blanc maintenant. Oui, oui, non, mais monoblose blanc, okay. C'est bon, hein, je veux dire, j'ai dit, il est oubliable au possible, ça dégage. Ah, d'accord, ok. Moi, j'allais le mettre dans oubliable aussi, ça tombe bien, mais bon, voilà quoi. Ouais, très clairement, je pense. Xenogiva. Alors, Xenogiva. Mon avis diverge. C'est compliqué. C'est compliqué, le Xenogiva. Je ne suis clairement pas sûr pour le Jiva de où le mettre, en fait. J'hésite entre This is Fine ou Rally Unstonk. Il n'y a pas de Unstonk, il n'y a pas d'entre les deux, là. Moi, perso, le Jiva, je le trouve ultra, il est très très classe. Et la première fois que je l'ai vu, je pensais qu'il n'était pas si gros que ça. La vérité, c'est qu'il est énorme. Et c'est ça le problème, en fait. Le fait qu'il soit énorme, ça relève du fait qu'il tape pas vite, en fait. Il va pas taper rapidement. Et du coup, bah, il est simple. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, personnellement, je le mettrais dans This is Fine. Mais c'est mort, je le mettrais jamais plus haut. Mais ouais, genre, moi, j'ai un réel problème avec ce genre de mob qui est lent, en fait. Il est trop gros. J'ai pas beaucoup. En fait, j'ai pas envie de juger le Xenogiva normal, j'ai envie de juger sa version Alpha Suprême. Ouais. J'ai envie de dire que sa version Alpha Suprême, malgré le fait qu'elle soit complètement OP à cause des flaques de lave qu'elle laisse partout, est quand même meilleure. Est quand même meilleure parce qu'elle nous offre une difficulté qui n'était pas présente de base sur un monstre. Moi, je dirais que c'est un bon monstre au même rang que le Fatalis blanc. D'accord. Il fait bien le café. Il fait bien le café. Ok. Ah, on en arrive à Dyson. C'est bon. Alors. Enfin, Dyson. Dyson. Yamatsuke. Lui, il a une place importante dans mon cœur parce que je le trouve trop drôle en fait. Il est trop drôle. Mais quand il ouvre la bouche. Oui, quand tu ouvres la bouche, là, juste pour t'inspirer, ça me... C'est d'ailleurs... avant l'arrivée de World, c'était l'un des seuls moves qui pouvait te one-shot. Et qui te one-shotait, c'était obligatoire. Oui. Voilà. Et puis, t'avais une très courte fenêtre de réaction pour voir lui balancer la bombe tranquillisante. Oh, c'est la fenêtre, elle était mince. Mincissime, vraiment. Ouais. Et sur Fur 2, t'as... Et une chance sur deux, quand t'arrivais à lui placer la bombe, généralement, tu te faisais bouffer juste après. Oui, parce que t'étais dans le... T'étais dans Dyson, en fait. Oui. Alors, honnêtement, le monstre, malgré le fait que j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup l'originalité, j'aime beaucoup de comment on l'affronte, mais le fait de mourir, de recommencer tout d'en bas de la tour, et faire 10 minutes le tour de la tour, histoire de remonter le buté... Je suis désolé, mais ça se m'a achevé. Je l'ai affronté deux fois dans FU. Je ne veux plus l'affronter. Pour moi, il est abominable. Ah, je l'ai... le Yangaruga de base. Le Yangaruga de base, je l'aime bien. Le Garuga de base. On n'a pas le Garuga Bafri, mais c'est dommage, mais bon... Ah oui, putain, c'est vrai, on n'a pas parlé. Alors, si on parle du Garuga Balafri, il va très clairement dans ça, quel plaisir. Oui. Alors, est-ce qu'on classerait pas les deux ensemble, quand même? Les deux? Ouais, je classerais les deux ensemble. Le Diablos et le... Bon, parce que personnellement, si vraiment on compte les versions Balafré des deux, enfin, le One Hornet Demon King, hein, qui est le Diablos, et qui a sans doute inspiré... pour moi personnellement, dans mon lore, pour moi c'est le Diablos Bain de Sang, celui avec une seule corne. C'est celui qui a survécu au chasseur et qui, du coup, sa corne a repoussé et il est devenu le Diablos Bain de Sang qu'on connaît. Donc si vraiment on compte ça, je compte le mettre dans Sac et le Bonheur. Et si on compte aussi le Yangaruga Balafré, il va dans Sac et le Bonheur. Le Garuga Balafré, j'ai pas autant une escume que toi. Gros lag, t'inquiète pas. On a beaucoup avancé, on est à la toute fin. Ouais. Ah, nice. Il reste logiquement 4 monstres. 4 monstres, c'est ça. D'accord.
Alors, personnellement, le Garuga et donc Garuga Balafré, on réunit un petit peu les deux. Je les ai mis au même niveau que le Xeno et que le Fata. Ouais. Le Zamtrios de base. Je l'ai beaucoup aimé. Zamtrios de base. Attends, il y a eu Yann Cut Cut. Il y a eu Yann Cut Cut avant. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a le Yann Cut Cut. Mais je l'ai dit, on le fait en dernier. Non, mais on le fait en dernier. Ah, ok. Très bien. Zamtrios, du coup. Zamtrios, c'est un des meilleurs monstres qu'on a eu dans MH, en fait. Bah, franchement, la petite transition quand tu l'affrontes dans la première fois dans le biome de glace en sauvant les chats dans 4 rues, j'ai bien aimé. Moi, je le mets dans Excellent. Moi, très clairement, Zamtrios aussi va dans Excellent. Je le mets dans une stonk. Sérieux? Ouais. D'accord, bon, bah. J'ai okay. pas. En fait, j'ai. C'est pas que je l'ai trop tapé, c'est que pour moi, il a pas une place importante, en fait. Ah. Il a pas après, une si grosse place. C'est pas un gros monstre non plus. Non, mais non, je dis pas ça. J'ai pas dit c'est un gros monstre et tout. Je dis juste que, pour moi, le Zamtrios, vraiment, on aurait dû l'affronter bien plus tôt dans 4 rues, en fait. Genre, vraiment. C'est vrai, on l'affronte assez tôt, en vrai. On l'affronte assez tôt, certes, mais pour moi, il avait le même niveau que le Kesha. Genre, sans rien. Ok, Finogre, les gars, Finogre. Me demande même pas, tu sais parfaitement où il va. Hop là. Le Finogre, moi je le mettrais en très bon. On va dire très bon, mais pas excellent non plus. Le Zinoxidien, il mérite d'être dans excellent, pas le Zinoxidien. Le Finogre, il va dans Jésus, et c'est le premier. Ah, putain. Hop là, pas de discussion. attends pour Jésus, attends la fin. Non mais t'inquiète pas, il en a plein de Jésus. Hein. Non mais t'inquiète. Il a deux lignes Jésus. Ah oui non mais depuis tout à l'heure j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 dans Jésus normal et je dois en avoir 11 dans Jésus plus 1. T'es abusé. Zora Magdaros. Bah, au début, en fait, le problème c'est qu'il aurait pu être bien si c'était seulement pas un gros tas machin. Claqué au sol, il est nul. Il sert à rien. Le problème c'est qu'il te l'introduit de ouf, mais quand tu fais combat après, tu fais. Hein, c'est donc ça. Je l'ai mis dans Nick the Bee. Moi je les mets dans Correct. J'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Il aurait pu être bien, mais fallait pas que son fight soit comme ça. Quoi. C'est ça quoi. Le fight ne me dérange pas, mais je peux comprendre qu'il dérange. Ouais, c'est vrai. Yann Cut Cut. Eh bien, le dernier, du coup, c'est ça? Allez, ouais, on le met dans Abominable. Alors, moi, perso, le Yann Cut Cut, je le classe pas. Parce voilà. que. Je suis anti-conformiste. Voilà. Parce que je suis. Personnellement, en fait, il est tellement nul que je peux pas le classer, en fait. Tu vois. Je veux. Il est tellement claqué. Ah mais Yugong il aurait été là, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les steaks, je dis clairement ce que je pense. Je trouve sincèrement que le NQQ n'a pas sa place dans Monster Hunter et qu'il ne devrait pas exister. Moins que le grand Jaï en tout cas. Putain t'es violent mec hein. Ah mais je non mais vraiment, c'est... Ah mais no joke hein. Je déconne pas du tout, pour moi le grand Jaï est meilleur que le NQQ. Alors moi le Cut Cut je vais le mettre dans Correct, même niveau que Zora. Voilà quoi, je suis... Je suis un peu neutre face au Cut Cut en fait, il est sympa, mais il est marrant et c'est tout. Et on a presque fini notre tier list. Ouais non mais le bleu il a sa place en fait, parce que bah il est un peu meilleur, il fait un peu plus mal, et moi je pense au Yen Q bleu de Online. Ouais non mais Cut Cut bleu de toute manière c'est un cancer, hein, y a pas à dire. On sent à faire, oh non c'est pas bon, putain. J'ai mis dans Oubliable le Cut Cut. Oh, j'ai mis là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va choisir qui est le pire monstre et le meilleur. Les gars ? Oui ? On va choisir le pire monstre et le meilleur maintenant. Le pire, vraiment le pire du pire du pire parmi... Alors parmi la liste que t'as, quel est pour toi le numéro 1 de la merde? Moi j'ai déjà choisi, Je suis en train de regarder ma tier list, je suis en train de me dire lequel pourrait être le pire en vrai parmi tous ceux que j'ai choisi.
J'ai choisi mon abominable. Enfin, là j'ai abominable et puis en dessous j'ai le pire en fait. Allez, juste parce que j'ai la rancune avec lui. Ok. Lavaziote. Lavaziote pour toi, c'est vraiment le pire monstre de mon pire du. Ok. Nyxvius. Alors. Le meilleur, tu me demandes. Non, le pire, le pire, le pire. Le pire d'abord. Le pire d'abord. Ah putain, c'est dur. Ouais. Oh, c'est là, je suis en train de regarder un petit peu, mais là, mon choix, il est un petit peu en train de douter, en fait. Sur tous les monstres là qu'on a classés et qu'on a terminé de classer, je trouve que le pire des monstres, alors pour moi à affronter, c'est. C'est le Fatalis blanc. D'accord. Voilà. C'est le Fatal blanc. Parce que j'ai vraiment une haine envers ce monstre et voilà. Vraiment, il est chiant. Ok. Alors, moi c'est un peu compliqué, j'hésite entre trois monstres là, en fait. Ah. J'hésite entre le Kusha et Daora. J'hésite aussi, t'inquiète pas. Ouais. Avec le Plesiot vert. J'hésitais aussi, bah il est dans ma. De toute façon il est dans ma liste. Mm. Non, je sais lequel je vais mettre. Je sais lequel je vais mettre en pire. Pour moi, l'enfiante les chiennes, il a rien à foutre là. Il a rien à foutre là et en plus. Ouais, je pense. Ouais. Le SN ancien, je suis désolé, mais il a. Il a chié, il est nul. Il a rien à faire là. C'est vraiment. Alors là, j'ai marqué. Attends, normalement. J'ai marqué le pire, mais normalement, là, je l'ai remplacé, j'ai mis le caca. Voilà. Pour moi, c'est le caca de Monster Hunter. C'est la merde. Ah voilà. Merde! Ozone, quelqu'un m'a dit que t'as pas mis cucu dans la tire Jésus. Oh les poucaves! Oh les poucaves sur le cerf! Ouais. Oh mais taisez-vous! Alors maintenant ça va être très difficile. Très très difficile, les gars. Alors. Le meilleur maintenant. Oh, Lagia la taupe, au secours! Oh, Lagia, ça le taupe! Non, mais en fait, tu l'as dit tellement de manière, tu sais, premier degré, je me suis dit putain, je vais le clip et ça va trigger plus tard dans le Discord. Ah, il est génial. Ozone, tu vas instant de me dégager. Non! Moi, personnellement, j'ai bien classé le cut-cut. J'ai classé à peu près équitablement. Tu vas trouver un emploi, tu vois. Ah, mais non! Vous avez combien de monstres dans votre top tier? Dans le top tier, il y en a pas mal. Alors, sachez-le, je ne compte pas Jésus plus 1. Jésus plus 1, c'est du troll, les gars. Et le tier list Jésus, c'est vraiment, moi, mes monstres préférés. J'en ai, merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dans God tier. Okay. J'en ai 13 dans Excellent. Est-ce qu'on prendrait pas un monstre pour tout le monde? Ça dépend, on a quoi en commun dans God tier? Alors, qui a l'Atalka? Pas moi. Pas moi. Ok. Qui a l'Amatsu? Moi. Pas moi. Laisse tomber, Pyro, ça va être trop compliqué. Vraiment. Ok. Ça va être trop dur. Bah, au pire, l'Agia, demande-nous. Comme ça, c'est plus court. Oui. Alors, moi, j'ai mis les deux Lagia, Abyssal et Normal. J'ai mis les deux chats, les deux Dala, chat et Normal. J'ai mis le Dzirmiralis, j'ai mis le Sélénite, Narga. J'ai mis le Brachidium. Et c'est tout, je crois, normalement. Ok, donc on a qu'un seul qui est tous en commun, je crois. D'accord. On a le Narga Sélénite. Non, moi j'ai pas le Narga Sélénite, hein, les gars. Ah bon? Ah bah du coup on en a aucun en commun. Mais non, on a vraiment aucun en commun, donc faut en choisir un chacun. Donc, on commence par qui? Comme vous voulez. Je suis en train de réfléchir donc. Moi il est en face, de toute façon ça restera toujours le même donc. Vous me dites dès que vous avez trouvé, dès que vous avez cherché. Ok, c'est bon. Moi c'est bon. C'est bon. Ah ouais, il y a le couchant rouillé, ouais. Et il y a aussi le couchant de World aussi, ouais. Le couchant rouillé de World, le fameux, oui. Mais évidemment. Non, mais il a des goûts un peu bizarres. Ouais.
Putain, c'est difficile de choisir parmi les meilleurs. Hein. Oh, oh, moi, c'est bon, j'ai dû faire un choix. Oh putain, là, je suis. Ah! Ouais, allez, c'est bon, je l'ai choisi aussi. On a choisi. Dis-nous ton choix. Pour moi, le meilleur, c'est Akultaroth. Ok. Choix mémorable. C'est vraiment. La Guia, pour toi ? Pour moi, c'est le Dire Miralis. Ouais, d'accord. Franchement, ouais. Dire Miralis, Kul'Staroth et. Il m'a tellement Ibus. Marqué. Eh ben, pour moi, c'est le Grand Jaggi. Voilà. Non, je déconne. La Wack. Ouais. C'est le Zinogre. Pour moi, le mon meilleur monstre. D'accord. Ça fait trop longtemps que je l'ai en tant que meilleur monstre, mais il changera jamais, en fait. Ok. Eh ben, je crois qu'on a fait tous notre tier list. Oui, bah moi, elle a été postée. Non, voilà, donc. Voilà, donc là, vous avez ma tier list, ma vraie tier list. Je télécharge l'image. Donc voilà, moi aussi, je vais faire ça, je vais télécharger l'image. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et, ah, voilà, c'est bon. Voilà, donc l'image a été téléchargée, ça y a aucun problème. Est-ce que. Je sais pas si j'ai du temps pour monter les autres tier list. Je pense que j'aurai pas le temps de les faire. Normalement, ça fait. Il y a 3 heures qu'on est déjà en live pour ouais. Une tier list. Donc, ouais. Ah bah très bonne idée, je suis très content de mes conneries. Hein. Donc ouais. Bah au moins on a pas mal réfléchi, c'est pas trop mal quoi. Je pense qu'on a bien réfléchi à part pour un seul monstre. Lequel attends, c'était quand j'étais là ou pas? Non, c'est le seul et unique hein. Le cul de cul les gars. Ah. Moi j'ai réfléchi quand même le cul pour le cut cut, j'ai réfléchi à peu près pour tout. Moi ouais, je l'ai mais placé mais voilà. D'ailleurs ça me fait penser, mais en fait le truc c'est je pourrais faire genre ça en fait, je pourrais augmenter et faire ça. Voilà. Juste augmenter la taille de mon avatar. C'est tout sur le côté. Ouais. En tout cas on a vu le pire et le meilleur de tout le monde. C'est plutôt pas mal. Un peu... Tu es forcément haut. Ouais. Les fameux mobs que t'adores, ouais. T'as mis quoi tout en bas? Ah, il a mis le Yamaha Tsukami tout en bas. Ah oh, putain. Bien vu. Bien attends, vu, Koma, bien de... vu. Ah lol. Moi j'y envoie sur le groupe. Enfin, sur le groupe privé ce que j'ai fait. Ok. Alors, et mon PC qui lag, génial quoi. Apparemment, ça lui plaît pas trop. Ah, tu cherches des gens pour GTFO tout à l'heure en live? Ah, GTFO. Ah, je vous allez peut-être faire un live, peut-être, je sais pas. Moi, de toute façon, je vais couper là. Ok. J'ai arrêté le stream ici, donc. Ouais, on montre les top tier, enfin les tier list de tout le monde. Ça va prendre trop de temps. Genre. Ok, ça marche. Je pense que voilà, puis de toute façon il y a. Ouais. Enfin, de toute façon tu vas sortir la vidéo, etc. Donc... Ouais c'est vrai. Voilà. Donc vous me les enverrez et puis voilà quoi, ouais. Ah pas forcément. Je pense que c'était un bon live, bien ouais, à l'arrache, bon, etc. Live. Il y avait un peu de monde au début, je pense que vers la fin les gens ont fait bon bah on va arrêter. On a eu plein de cul de nos avis. Hein. Exactement. Donc vous avez ma tier list, bah. Je la mettrai sur Twitter pour rigoler un petit coup en disant bah voilà, le live il est terminé. Bref, du coup, bah. À plus, je suppose. Et bah, à plus, ouais. Oui, bah, à plus. Ouais, on va terminer ouais. Le live ici. Allez. Ciao tout le monde, merci d'être allez. Passé. Et je ne sais pas quand est-ce que j'en ferai un autre live. Allez, ciao, bye. Ciao. Maintenant, c'est à moi de dire au revoir à mes abonnés. Alors, donc. Ciao à tous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, même si elle était quand même un peu longue, j'aurais pas mal de boulot pour le montage d'ailleurs. Merci à Lagia et Nixus d'être venus. Et puis bah on se dit à la prochaine. Salut.